Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Dice Story pour une mise en bouche euh, du jeu euh, Wilder Fist euh, qui est en financement participatif actuellement, au moment où vous verrez cette vidéo. Euh, pour cette soirée, je suis en compagnie de euh, Maddy, qu'on ne présente plus, de Scarlock, notre porte-poisse préféré, sinon c'est moins drôle, et euh, en invité ce soir, nous avons donc Cinemoon et... Mystifia, salut tout le monde. Hello, salut. Et donc ce soir, on va découvrir euh, Wilder Fist. Euh, donc je vais, euh, je vais essayer de, de catégoriser ça en plusieurs euh, trucs. Donc je vais vous parler un petit peu du, du cadre et, et de l'univers euh, pour vous présenter euh, grosso modo à quoi on joue. Je vais vous planter un petit peu le décor et puis après on se lancera, on se lancera ensemble si vous le voulez bien. Alors. Wilderfist se déroule sur l'unique terre que je vous dévoile à présent. Voilà, elle est belle hein, cette carte de l'unique terre. Clac. Euh... L'unique terre, c'est un... une terre qui est vaste, qui est sauvage, qui est anci... ancienne. Il euh, y a euh, des monstres qui habitent tous les recoins. Euh, ce sont des créatures euh, extraordinaires hein, qui s'inspirent un petit peu de la paleontologie, euh, de, de tout un tas d'œuvres différentes comme Monster Hunter par exemple, Godzilla, ce genre de trucs. Et euh, ce sont des créatures donc, qui ont des capacités euh, un petit peu extraordinaires euh, pour s'adapter un petit peu à leur environnement, ce genre de choses. Euh, donc il y a vraiment tout un tas de types de monstres différents, de formes différentes, de facultés euh, intellectuelles pour certaines avancées. Euh, même si euh, on ne peut pas les considérer comme étant euh, euh, vraiment euh, comme un comportement humain. Quoi. ça reste quand même des, des bêtes des, des animaux. Euh, les humains, par contre, ben, ça fait bon, euh, plusieurs millénaires qu'ils sont là. La plupart des humains donc vivent dans des petites communautés rurales au sein desquelles on trouve euh, toute l'étendue de la diversité des genres, des orientations sexuelles, les apparences, les handicaps, etc. Euh, on est sur de la technologie post-post-apo, euh, c'est-à-dire que euh, vous allez pouvoir trouver euh, des objets euh, peut-être un petit peu futuristes ou magiques, et aussi des objets en pierre, en os, en bois. Voilà, c'est un petit peu mélangé. Euh, par exemple, il y a des trains à grande vitesse, euh, des trains qui lévitent, euh, mais euh, vous utilisez des gourdins et des arcs euh, voilà, pour euh, vous battre. Donc c'est assez particulier. La nourriture, bien évidemment, prend une place très importante dans ce jeu. Euh, D'ailleurs, euh, le jeu s'appelle Wilder Fist, donc vous mangez ce que vous êtes. On y reviendra un petit peu après. Il euh, y a tout euh, comme nourriture. Il y a des gens qui mangent des, des potages, des soupes euh, dans des marmites en fonte. Il euh, y en a d'autres qui mangent des hamburgers et des frites. Il euh, y en a dans ce jeu. Il euh, y en a qui cuisinent dans des plats, euh, enfin vraiment des trucs genre top chef, etc. Bref, il y a énormément de choses à cueillir dans la nature. Tout est euh, abondant, euh, tout est fantastique dans ce jeu. Euh, donc voilà, quelle que soit votre nourriture préférée, il y a forcément l'équivalent dans Wilderfist. Voilà. Mmh. Euh, et enfin, donc l'unique terre, le territoire sur lequel vous allez jouer, c'est une terre qui est euh, en ce moment assez vulnérable. Parce qu'il y a un conglomérat commercial mondial qui s'appelle la charte, qui s'étend depuis le centre de la carte, donc un, le du supercontinent. Euh, et sans le savoir, la charte répand quelque chose qui s'appelle la frénésie. On reviendra sur ce qu'est la frénésie un petit peu plus tard. Euh, la charte répand la frénésie à cause d'une utilisation de technologies de récupération et, euh, et à cause de cette maladie. Donc de la frénésie, les gens vivent un petit peu dans la peur des monstres. Et à cause de cette peur, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils vont demander à la charte de les protéger. Et euh, à cause de la charte, il bah, y a la frénésie qui se répand encore plus. Voilà, c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Et vous, euh, les naturons, vous êtes les plus à même d'arrêter cette spirale infernale. Euh, voilà, vous allez faire montre d'un talent et d'une expertise incroyable, mais le problème, c'est que vous êtes pas assez nombreux par rapport à la tâche, du, à l'immensité en fait du monde qui vous entoure. Donc voilà, c'est un petit peu un problème euh, à ce niveau-là. Et donc parlons des naturons, parlons un petit peu de vous. Vous êtes euh, des rangers, des gardiens, des chefs, des chasseurs, vous êtes des mangeurs de monstres, euh, ce qu'on appelle donc des naturons. Euh, vous êtes des humains, mais... Euh, même si votre apparence peut laisser un peu penser le contraire, puisqu'effectivement, euh, après chacune de vos chasses, vous allez intégrer euh, une part d'un autre monstre, en fait. Donc les premiers Naturons ont consacré leur vie à contenir la frénésie. Euh, la frénésie, c'est une espèce de malédiction incurable euh, qui amplifie la faim, qui amplifie la douleur, euh, la rage... Euh, ça forme un cycle un petit peu cruel, hein, ça rend les, les monstres fous en fait. Donc, c'est un réel problème pour tout ce qui est euh, écosystème, la faune, la flore, etc. Et euh, voilà, malgré tous leurs efforts, euh, la frénésie se répand à la vitesse d'un virus sur toute l'unique terre. L'espoir que vous sauviez les monstres menacés par cette maladie surnaturelle euh, perdure néanmoins, euh, mais c'est un, un espoir qui demande beaucoup de zèle et de sacrifice. Et donc, les naturons que vous êtes, vous voyagez en meute. Donc l'aspect meute est très importante euh, dans ce jeu, puisque c'est... Euh, je ne veux pas dire que c'est un personnage à part entière, mais ça détermine pas mal de choses. Il y a une petite mécanique qui, y est, qui est liée, on, on, en, on en reviendra un petit peu plus tard. Vous voyagez en meute, euh, mais vous, euh, vous ne représentez aucun ordre officiel. Il euh, n'y a aucune euh, autorité centrale, ni aucune hiérarchie qui, euh, qui vous gouverne. Euh, vous êtes euh, complètement libre en fait, de décider de ce que vous entendez vous par harmonie de la nature ainsi que des moyens de l'attendre vous, vous faites euh, vraiment un petit peu comme vous voulez euh, certains naturons vivent comme des bêtes des cavernes avec euh, des, euh, des peaux de bêtes, des fourrures il euh, y en a d'autres qui euh, vont se comporter en chevaliers errants, soit adorés, soit haïs euh, par leurs contemporains tout simplement ben, parce que qu'ils présentent pour peut-être des, 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 des attraits physiques un peu monstrueux, hein, malgré tout. C'est un, un petit problème. Et euh, voilà, certains dorment en ville, il y en a d'autres qui vont préférer dormir dans des ruines, euh, dans des wagons de marchandises, de trains bruyants, dans des ternières de monstres, euh, qui euh, vont les considérer comme euh, bah, des membres de leur famille, en fait. Euh, voilà, tout est un petit peu possible. Donc vous, en tant que Naturon, vous décidez de votre propre voie à suivre. Néanmoins, même si vous ne suivez aucun credo, aucune directive particulière, vous avez quelques devoirs. C'est non négociable, si vous êtes naturel, vous avez ces devoirs. La, le premier de ces devoirs, c'est de chasser les monstres, puisque vous avez récupéré des armes gigantesques, gargantuesques, dans un métal assez particulier, un métal qui est capable de se s'auto-régénérer, qui s'appelle l'archassier. Et hein, donc vous avez, peu importe de quelle manière, pour le savoir, il faudra acheter le jeu entier. En tout cas, vous avez ces armes, et euh, rares sont les, cap les personnes qui sont capables de les soulever. On n'est pas sur du marteau de tort non plus. Euh, soulever vos armes, c'est facile pour la plupart des gens. Les manier, c'est-à-dire les soulever pour frapper avec, c'est quand même beaucoup plus difficile vous avez vraiment cette capacité unique de pouvoir les manier, puisque c'est à la fois vos armes de combat, mais également vos ustensiles pour cuisiner. Voilà, on s'en fout de l'hygiène hein, dans ce jeu. Hein. Ouais, voilà. donc, de toute façon, ce qu'on votre... tape, c'est ce qu'on mange, donc bon... Euh... C'est ça, exactement. Ah. Donc, euh, votre but, c'est de chasser euh, les monstres, euh, mais pas n'importe quel monstre, puisque vous traquez les monstres hein, chez qui la frénésie... Trop progresser pour qu'on puisse euh, la traiter, et donc vous allez abattre euh, ces monstres avant qu'ils blessent quelqu'un ou qu'ils se blessent eux-mêmes ou qui vraiment détruisent un petit peu l'écosystème. Euh, vous aimeriez bien euh, disposer d'une autre forme euh, d'euthanasie plus compatissante, mais malheureusement euh, bah, ça n'existe pas. Ce sont vraiment des titans qui se déchaînent au combat et euh, c'est jamais paisible quoi. Vous êtes contraint de les, de les mettre à mort. Le deuxième devoir que vous avez, c'est de cuisiner les monstres. Pourquoi Parce que les carcasses répandent la frénésie. Et vous, bah vous connaissez les techniques qui sont requises pour préparer cette, cette viande atteinte de, de, de la maladie, qui la rend impropre à la consommation, puisque si vous avez des animaux, etc., qui sont des charronnières qui viennent bouffer les carcasses, ils, ils chopent. eux aussi la frénésie et, et on s'en sort plus. Donc quand vous tuez un monstre, vous le cuisinez. Et euh, vous rendez donc la nourriture propre à la consommation. Vous les mangez. Le fait de les manger, c'est la source de vos pouvoirs, puisque euh, euh, vous allez réussir à transformer de manière. Enfin, vous allez vous accaparer certaines propriétés du monstre et, et les faire vôtres de manière permanente. Euh, donc voilà, c'est un, un élément très important du jeu. Mais euh, votre rôle, c'est pas de buter tout ce qui bouge hein, et de bouffer tout ce qui bouge. Euh, vous êtes des naturons, dans le mot naturon, il y a nature. Euh, votre but, c'est de. Euh, comment dire, de. de, de trouver l'harmonie de la nature, de, de trouver un espèce d'équilibre, euh, puisque vous allez aussi soigner le monde. Euh, C'est-à-dire que vous allez devoir prendre euh, soin d'un monstre qui serait blessé, ou que vous avez rendu orphelin en butant euh, son papa, sa maman. Euh, vous allez devoir euh, voilà, euh, intervenir quand la nature est en danger. Euh, C'est un peu votre truc. Vous êtes là pour réconforter, vous êtes là pour soigner, élever des monstres qui, euh, sans votre aide, pourraient mourir. Euh, voilà, vous, vous devez démontrer un petit peu votre côté euh, humain, euh, de votre côté bestial. Donc, voilà un petit peu le titre, le, le, titre, le, le, le style de personnage que vous allez pouvoir jouer ce soir est-ce que vous avez quelques questions pour le moment peut-être ou pas euh, moi je me demandais du coup quand tu disais que on devient ce qu'on mange est-ce que oui. vraiment chaque fois qu'on mange quelque chose on a une modification physique qui apparaît c'est ça alors oui et non. C'est-à-dire que hein, vous avez deux types de repas. Vous avez des petits encas, des petits trucs comme ça qui vont potentiellement vous donner des petits bonus qui seront temporaires. Vous allez vous préparer un petit frichetis euh, rapidement, etc. parce que vous avez perdu des points de vie, etc. Vous allez me faire une petite recette de cuisine par rapport aux ingrédients que vous allez avoir sous la main. Et selon les ingrédients choisis, il y a des ingrédients qui ont des capacités particulières qui peuvent vous donner euh, mécaniquement des points de stats en plus, des points de compétences. Ou des traits euh, temporaires. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose d'établi. Et après, vous avez les euh, dans les festins, donc les, les trucs qui sont beaucoup plus euh, sur le long terme. Ça vient principalement quand vous euh, finissez une chasse, quand vous euh, consommez la, la créature que vous allez euh, que vous avez abattu. À ce moment-là, vous allez la consommer et euh, je dis une bêtise, mais si si vous tuez un poulet géant, je sais pas, hein, je dis comme ça, et que ce poulet est capable de voler. Euh, en le tuant et en le, le, le cuisinant, vous, vous pouvez, vous pourriez, si vous le souhaitez, acquérir la capacité de voler. Donc, avoir des ailes de poulet qui vous poussent et qui vous donnent cette capacité euh, de voler. Euh, c'est une possibilité. Ce n'est pas systématique, mais c'est une possibilité que vous avez donc effectivement de, de vous approprier euh, certaines particularités, certaines spécificités des monstres que vous combattez, ce qui peut donner tout un tas de, de, de combinaisons très différentes. Et d'ailleurs, les euh, particularités physiques que vos personnages ont viennent de, certains, euh, de certaines créatures qu'ils ont abattues. On va y revenir un petit peu, un petit peu après. Mais, euh, mais voilà, on est un petit peu dans, cette, dans cet esprit-là. Tu avais une question aussi, Scarlock, je crois euh, ouais, bah mais euh, c'est du coup les, euh, du coup quand on mange euh, à la fin d'une chasse, il le monstre, il y a plusieurs caractéristiques qui, entre guillemets, on peut euh, se répartir ou deux personnes parallèles. Oui. Ou Alors souvent une seule, oui. Non, on, on y reviendra en fait pendant pendant ouais, le, ouais. cette phase là qui sera qui sera mécanique, mais en gros selon ce que vous avez réussi à découvrir du monstre. Il y a une phase où vous allez me poser des questions en cuisinant. Vous avez le droit à un certain nombre de questions. Et ces questions mmh. vont vous permettre de connaître, entre guillemets, les stats du monstre. Et une fois que vous connaissez ces stats, eh ben vous choisissez si vous souhaitez euh, acquérir justement des pouvoirs ou quoi. Et effectivement, ça ne marche qu'avec les monstres qui sont euh, touchés de la frénésie, bien évidemment. Euh, voilà, Ce n'est pas parce que vous allez bouffer euh, une baie que vous allez euh, avoir. Euh, voilà une fraise qui vous pousse sur la tête, hein, bien évidemment. Euh, par contre, cette Je baie peut vous frit. donner a... des points de vie. Voilà. Ça, tu, tu manges du poulet frit et paf, tous les matins, tu te réveilles en chantant. Euh... Voilà. voilà. Incroyable. Hum. Est-ce que c'est -ce est bon pour tout le monde? Euh, moi j'ai juste raté C'est très très cool juste, je, je crois que j'ai raté l'info de où on est sur la carte Peut-être que c'est parce qu'on ne l'a pas encore dit mais si Non je ne l'ai pas raté, dit Mais je okay. peux vous le dire Vous êtes à peu près ici sur la carte Donc à côté de la côte hein, d'essence okay. Voilà le scénario va commencer par ici euh, Mais on va voir ça Dès qu'on se lance Ok Ça marche Hop. Je cherche juste mon scénario Voilà alors notre histoire, non, oui c'est vrai avec vous il n'y a pas trop besoin de scénario, euh, mais euh, on va quand même essayer de, de suivre une, une, une trame bien particulière. Hop. Et évidemment je vous balance sur le truc, mais moi j'y vais pas. Voilà. Notre histoire euh, se déroule dans un petit village du nom de Pécou. Donc c'est une localité rurale située dans une forêt dense. Et ce village est plus précisément dans les hauteurs, puisque c'est un village qui se compose intégralement de cabanes, de passerelles, d'ascenseurs, de, de jardins suspendus, voilà, qui sont construits dans la canopée. Et vous êtes dans ce village, ou plus particulièrement, vous êtes sous ce village. Pourquoi Parce que, eh bien, et euh, j'adore ce genre de, de départ. Vous vous trouvez dans des cages. Vous êtes en cage, et vous vous réveillez. Un réveil qui est difficile, qui est laborieux, vous avez les paupières lourdes, vous avez la bouche pâteuse, euh, vous êtes un peu, un peu comateux, la tête un petit peu dans le coton. Euh, vous vous souvenez pas de grand chose. Comment vous êtes arrivé dans cette cage, c'est c'est un petit peu, un petit peu confus. Euh, et justement, on va commencer par euh, moustique. tiens, euh, on va commencer par moustique, puisque toi, tu te réveilles. en fait, tu as quelque chose qui euh, peut être te, te touche le visage qui va te... qui va un petit peu te réveiller et reprendre un petit peu un petit peu conscience. est-ce que tu peux nous parler de ton personnage, s'il te plaît? Um... Oui. <laughs> Pardon. Euh, oui, tu te donc, réveilles, hein, c'est normal, t'es hein, TRP, oui. Et ouais, je. je... je... Qu'est-ce que c'est Pourquoi, Pourquoi c'est gluant euh... C'est Et... complètement gluant, ça. ça. Et euh... je. Alors, j'ai une interrogation parce que dans ma fiche, je vois que le repas qui a fait de moi un Naturon. M'a fait entrer mmh. en hibernation pendant des années. Est-ce que ça a un lien non. avec le fait que je me réveille dans cette cage okay. Non, non, non. Tu t'es réveillée et là, que... tu, tu te rends dehors, c'est autre chose. Eh bah, ben ouais. du coup, la première fois que moi, je me suis réveillée en, en sortant de, de cette hibernation, je me suis euh, retrouvée avec euh, des. Euh... Je n'étais pas un, un grand gabarit euh, de base. Mais mmh. là, j'ai eu l'impression d'être encore plus euh, ramassée. Et d'avoir la peau euh, sèche, euh, pas comme euh, pas comme des écailles, mais un peu comme du, 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 du parchemin en fait, une peau euh, une d'insecte et euh, moustique. Donc euh, est devenue naturon naturonne pardon parce qu'elle souhaitait euh, rejoindre la lutte contre la frénésie. Euh, et elle se bat avec, vous les avez des... peut-être déjà vus tout à l'heure, <laughs> des maniques qui sont euh, bah, comme des gant de box mais en plus thématique. Ouais, et en arcassier du coup, en arcchassier pardon. En, arc ah, en arc qui est un métal, ouais. c'est un métal assez particulier qui a la capacité exceptionnelle de s'auto régénérer. C'est incroyable. C'est cousu un peu. Euh... Dans les fibres on se rend pas bien compte mais euh, ça ça c'est du solide et avec ça je peux retirer euh, n'importe quel plat je le prends directement du feu je j'ai pas peur de rien moi je vais dans je vais dans je vais dans l'action euh, et puis euh, et puis je cogne s'il le faut je serai euh, je serai le, le point le, armé de la c'est ce que, que j'allais dire <laughs> ça marche tu te réveilles c'est cotonneux. Euh, tu regardes autour de toi, effectivement, tu vois des, des barreaux euh, euh, qui ont l'air, à ma foi, fort solides. Tu sais pas si c'est du bois ou un équivalent du bambou, hein, ce genre de truc. Tu observes un petit peu avec toi. Tu peux voir que effectivement, tu es euh, dans la même cage que tes compagnons de route que, que les autres euh, naturons. Et euh, il me semble que dans, le, dans la fiche de personnage, d'ailleurs, il y a un truc pour intégrer les autres. C'est voilà, une personne de la meute euh, t'a promis de t'offrir un entraînement que tu n'as jamais reçu. Euh, cependant, tu commences à te dire que euh, cette personne n'en sait pas plus que toi sur le fait d'être un naturon. Selon toi, qui est cette personne parmi euh, les autres PJ présents et présentes ce soir Vite, le on... Merlet, Les pseudos. Oui. Les pseudos. <laughs> Alors, euh... tu as Nadine qui a une poêle énorme, tu as euh, Liane qui a un gros chalumeau, tu as Pri qui a un gros hachoir. Euh... Choisis à quelle euh... sauce tu manges qui <laughs> À quelle sauce je mange qui <laughs> euh, bah, C'est euh, Nadine qui okay. m'avait promis un entraînement euh, euh, au, au réveil euh, à mon réveil de ma longue hibernation euh, lorsque j'ai euh, rejoint euh, la meute. Euh, mmh. j'ignorais tout ce qui concrètement ce qui faisait de moi une naturelle et Natsi a dit ouais ouais euh, t'inquiète je me charge de ton <laughs> intégration euh, mais on n'a encore jamais eu le temps donc euh, ok je suis mais euh, mais t'attends quoi j'attends ok ça marche j ai, j ai confiance, hein. <laughs> parfait oui, eh ben, il faut. Hein. Très bien. J'ai confiance Eh bien, écoute... Pour l'instant, euh, je ne suis pas entraînée. Nadine, je t'en prie, est-ce que tu peux nous parler de, de ton personnage, s'il te plaît Oui, bien sûr. Alors, euh, Nadine, donc, qui apparemment est très nulle pour euh, entraîner les gens quand elle l'a promis. Euh... <laughs> non, en fait, Nadine, elle est devenue... Euh... Euh, Naturon, euh, après avoir mangé de la viande de Mamudo, elle a eu un peu de mal à manger parce que c'est quelqu'un qui aime énormément quand même les animaux et les monstres en général. Et euh, ça lui a fait un peu mal au cœur. Et en plus le monstre avait un, un, petit, un petit bébé, enfin une bébé euh, que, euh, et bien que Nadine a baptisé euh, Doupin. Voilà. Et il euh, y a une personne d'ailleurs apparemment ici qui a aidé à veiller sur Doupin pendant euh, mmh. la croissance. Après, on l'a relâché dans la nature, mais du coup, bah, mm -hmm. forcément, Nadine est, euh, est très reconnaissante euh, envers la personne qui l'a aidé à élever euh, Doupin, voilà, parce que c'est quelqu'un qui est assez euh, résolu, mais qui euh, aimerait bien, euh, euh, comment dire, à la fois que tous les monstres soient euh, en sécurité, tout, que tout aille bien. Mm -hmm. Enfin, vraiment, c'est un truc, elle elle, c'est un peu une brute au grand cœur, quoi, euh, Nadine. Mm -hmm. Et donc, quelqu'un qui l'a aidé euh, avec Doupin, c'est. Euh... C est, c est, ça veut dire que c'est une bonne personne qui prend soin des, des monstres et des animaux, mmh. voilà. Donc, ouais. euh, voilà. Effectivement, Dupin, euh, c'est une euh, créature que vous connaissez bien, puisque bah, d'ailleurs, euh, le truc gluant que tu avais sur le visage moustique, euh, ce n'est autre qu'un coup de langue de Dupin. Dupin qui est en mmh. cage, euh, elle aussi, qui est dans une cage à côté. Et Dupin, c'est une créature, je vais vous la montrer. Euh, c'est un mamoudou. donc... Voici Doupin. C'est un peu lent à charger parce que ultra bonne qualité. Voici Doupin. Donc il faut vraiment imaginer une espèce de, de, de pangolin, mi-pangolin, mi-tamanoir, avec une langue donc très très longue pour aller chercher euh, les, euh, le nectar des plantes, euh, les insectes, les, les fourmis, ce genre de choses. Et, euh, et effectivement, donc, tu t'en es euh, beaucoup occupé, toi Nadine, puisque euh, comme tu disais, tu as été contrainte de mettre un terme euh, à la vie de, de sa maman, qui était prise de frénésie, et donc pour pas que sa mère euh, ne blesse euh, le petit, ou, ou d'autres populations euh, environnantes, voilà, tu as été obligé de jouer ton rôle de naturon, et euh, comme tu pouvais pas laisser ce bébé mamoudo, euh, bah, à la nature tel qu'il est, parce que sinon elle n'aurait pas réussi à vivre, vous avez décidé de vous en occuper, donc toutes les personnes à cette table, vous avez toutes et tous un lien avec Dupin, d'une façon ou une autre puisque vous euh, Dupin a sa liberté bien évidemment ce n'est pas un animal de compagnie mais euh, vous vivez avec vous en prenez soin là actuellement faut imaginer Dupin un petit peu comme une adolescente euh, qui est presque euh, qui arrive bientôt à, à son âge adulte on va dire voilà Dupin c'est trop mignon on est bien d'accord et euh, et c'est ce qui explique d'ailleurs euh, les écailles sur ta peau euh, Nadine puisque mm -mm. les écailles qui forment ta peau sont les écailles de Mamoudo. Donc, c'est ce que tu as réussi à, euh, à récupérer, en fait, de la maman de Doupa. Voilà. Petite parenthèse euh, concernant la frénésie. Donc, effectivement, les animaux atteints de frénésie qui deviennent vraiment incontrôlables, vous êtes contraints de les abattre. Mais quand la frénésie est prise très tôt, euh, il est encore possible euh, de le guérir. Donc vraiment, quand les... le problème de ces symptômes, c'est que ben, quand le, 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 les... enfin, la frénésie est au, au tout début, ben, on ne voit pas forcément de différence. La créature est peut-être un petit peu plus hostile, mais euh, c'est un, un comportement qui peut être aussi normal chez la plupart des monstres. Donc c'est quand même très très difficile à déceler. Mais voilà, quand c'est pris très 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 tôt, il y a encore une petite chance de euh, guérir de la frénésie. C'est rare, mais ça arrive. Voilà. Et donc, qui est cette personne euh, qui, qui t'a aidée en fait à veiller sur Dupin pendant, pendant sa croissance, Nadine, dis-moi. Mmh. Eh bien, je pense que c'est euh, Liane qui a aidé à veiller sur doupin pendant sa croissance, potentiellement. En cherchant qu'en plus avec son super euh, chalumeau, elle a probablement aidé à, en plus, euh, aider à trouver ce que pouvait manger Dupin quand elle était toute petite et le cuisiner et, et prendre soin, voilà, pour parce que mmh. pour Nadine elle est bien sympa mais elle pas forcément toujours très euh, doué mmh. pour euh, bien deviner les trucs donc euh, ouais, heureusement ouais. que, que Liane était là pour 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 dire mais attends mais non c'est comme ça que ça va <laughs> !» et prendre soin tout, quoi. Eh ben pareil Liane pareil tu tu, tu tu te réveilles de, de un petit peu de cet état second t'as la tête dans le coton voilà quand tu ouvres les yeux ta vision est un peu un peu brouillée t'es obligé de cligner un petit peu voilà tu un petit peu de difficulté à te lever mais Petit à petit, voilà, tu, tu reviens un petit peu à toi. Tu observes un petit peu ton environnement. Donc voilà, vous êtes tous euh, toutes dans des cages. Euh, et ce que tu peux voir C'est que donc vous avez votre cage. Vous êtes tous ensemble. Une cage avec euh, Doupin, mais il y a aussi d'autres cages, euh, probablement qui euh, contiennent d'autres animaux, d'autres monstres que vous n'avez pour l'instant pas pu identifier puisque ces cages sont recouvertes de grandes bâches. Euh, donc voilà, pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que tu peux présenter ton personnage s'il te plaît Ok, oui. Donc moi je suis euh, Liane. Euh, je suis devenue une naturone euh, après avoir euh, cuisiné un crabre euh, qui était euh, malade à cause de la pollution, avant même de succomber à la frénésie. Et euh, comme je suis quelqu'un de très studieuse, j'ai décidé d'étudier le lien entre ces deux mots. Parce que pour moi la frénésie et la pollution sont probablement liées. J'ai donc aidé à... à Merde, à ah, éduquer euh, Dupin euh, durant mmh, son enfance ouais. quand j'ai vu euh, que Nadine euh, cuisinait des trucs euh, pas du tout appropriés. Euh... <laughs> et euh, justement, je suis euh, quelqu'un euh, qui aime beaucoup cuisiner aussi, même si visiblement c'est un petit peu tout le truc de l'univers. Je... je fais en sorte que ce soit des recettes pratiques et faciles. Voilà. Ok. Et Super. du coup, en, en mangeant mon crâbre, j'ai mon bras droit qui s'est transformé en. En pince géante. J'ai aussi un petit mm. problème avec le feu, puisque j'ai un joli chalumeau qui me permet de, néanmoins de, de taper de loin pour tout ce que l'acier ne, ne peut pas atteindre. Les flammes Effectivement. le peuvent. Et toi, tu as cuisiné un jour pour une personne de la meute dans ta jeunesse, et à ses yeux, ta nourriture est la meilleure qu'elle ait jamais goûtée. Sauf que pour toi, bah, c'était simplement la recette la plus rapide, la plus facile que tu connaissais, quoi. Des pâtes au beurre, quoi. C'est exactement des, des, des pâtes au beurre. <laughs> et dis, dis alors t'as pas trop le choix hein, puisque c'est un peu obvious, mais dis-nous juste comme ça, par curiosité, qui est fan de ta cuisine dans la meute ce soir <laughs> et puis, Ce sera Prix qui adore euh, ce que je des fais. Pâtes au beurre. <laughs> euh, qui est fan de ma cuisine alors que pour moi c'est vraiment euh, la base, quoi. <laughs> ok. et eh bah, ben, à toi de jouer, euh, Prix. Eh bien, prix, euh, bien. La prix... Il aime il est bien les pâtes au beurre, hein, visiblement, mais c'est, n'est pas étonnant parce que déjà, euh, dans son enfance, il a eu une, une, une enfance très compliquée, euh, très pauvre, Donc, où il mangeait beaucoup, souvent les restes sur le marché euh, qu'on lui donnait ou qu'il réussissait à récupérer. Et euh, les choses se sont pas énormément arrangées quand euh, ensuite il est devenu Naturon de Sport. Donc il euh, était, euh, il assistait les officiers de la charte dans leur battue, comme une espèce de chien de chasse en fait. Donc il était utilisé comme chien, euh, utilisé et pratiquement traité euh, comme un chien par les, euh, les officiers de la de la charte. Donc euh, voilà, ça, combiné au fait qu'on bah, lui a donné du coup pour le transformer en Ronde, un, un porridge avec des morceaux de des cubes qui, de ce qui ressemblait à du requin soigneusement mesuré hein, donc il fallait pas lui en donner trop haute et du coup ça lui a donné son apparence un peu effrayante s'il y a des énormes dents de requin et une peau bleue très rugueuse donc il fait un peu peur mais, euh, mais il est gentil hein, promis et, du coup effectivement ton, ton repas lui a ça c'était un... vraiment quelque chose qui changeait euh, vraiment ça changeait ta vie quoi, quoi les pâteaux d'or c'est ça ouais, ouais. complètement les au <laughs> équivalent euh... <laughs> ça. Ok, et donc il y a quelqu'un dans la meute, euh, une personne de la meute qui, euh, qui t'a trouvé par hasard euh, après que la charte t'ait laissé euh, pour morte euh, et tu lui dois la vie, tu lui as juré une loyauté indéfectible. Qui ce serait Écoute, je vais euh, boucler la boucle euh, et mmh. euh, je vais dire que c'est Moustique. Mmh. Tu lui dois la vie, Pli. ne l'oublie jamais <rire> ok <rire> ah, ok d'accord je voyais pas comme ça <laughs> non mais c'est vrai que euh, Moustique a euh, euh, pris et ayant été euh, abandonné il, était après, euh, chasse, euh, donc, euh, bah, il a été blessé après une chasse qui assez difficile donc il a été laissé pour mort euh, morte, et, et euh, du coup euh, ben, c'est euh, Moustique qui l'a récupéré et du mm. coup euh, voilà est-ce qu'on qu peut dire que le... qu'on peut dire que ta vie n'a pas de prix Allez, on va continuer. Il ne <laughs> pas être très élevé pour l'instant, donc. Euh... <laughs> pas Allez. Après, il nous dit qu'on n'est pas sérieux. Oui, je suis assez d'accord, est... euh, brave Chauffeur. gars. On a une question du chat que je vais oui permettre de... de transmettre. Euh, oui. Pourquoi est-ce que nos armes sont aussi grandes par rapport à nous, comme ce qu'on voit sur la... tous nos avatars et pourquoi pas Voilà. Alors, ma réponse, ce sera que si vous voulez connaître la réponse, il faut acheter le jeu. Voilà. Est-ce que ça te va Il y a des gros monstres, il faut des grosses armes. Oui, déjà, Je ne voulais pas te poser une question piège. Non, non, mais c'est une très bonne question, mais je n'ai pas le souvenir que ce soit traité dans ce kit, puisque oui, ce soir, vous allez jouer, en fait, découvrir le kit. Euh, D'initiation, le kit découverte qui s'appelle la mise en bouche, donc qui est euh, disponible gratuitement euh, au téléchargement. Donc voilà, vous pourrez comparer notre aventure et, euh, et à votre lecture, sachant que, évidemment, je vais prendre quelques petites libertés euh, pour les besoins de, de l'actuel play. Donc, du coup, vous êtes dans des cages, c'est un petit peu difficile, vous, euh, vous vous réveillez et vous allez m'expliquer en fait euh, comment ça se fait. Que des naturons comme vous, euh, mi-homme, mi-bête, des naturons qui ont euh, des armes en arc donc d'une taille considérable, euh, dont on ne sait pas pourquoi pour le moment. Euh, comment vous avez fini euh, drogué dans des cages par des braconniers Puisque vous avez été mis en cage par des braconniers. Donc on a nos armes avec sont... nous là Mais pas du tout. Ce serait Chien. trop beau sinon. <laughs> vous n'avez pas, pas d'armes, et pire encore, vous n'avez pas de nourriture. <coughs> ça, c'est honteux. Hein. Rien. Ça, c'est honteux. C'est terrible. C'est terrible. A... Comment ça se y fait, y fait y que vous avez été euh, drogué comme ça Comment vous avez atterri dans des cages Dites-moi, peut sûrement. Peut-être hmm. qu'avec notre apparence, ils se sont dit qu'on était un peu comme des monstres et ils veulent nous manger. Peut-être. Peut-être. Il y a aussi quelques rumeurs, hein, des rumeurs qui, qui disent qu'au au centre de l'unique Terre, il y aurait des, des géants. Et euh, des géants qui sont euh, de grands amateurs euh, de viande humaine. Peut-être que mmh. hein, c'est là-bas qu'on vous envoie. Peut-être que vous êtes euh, tout simplement un petit euh, tanka pour euh, des créatures euh, surdimensionnées. Toujours est-il que vous êtes dans votre cage. Doupin est ici, dans la cage juste à côté. Et la Et question. Il y a quoi d'autre les... dans oui les autres cages De ce qu'on voit eh bien... C'est d'autres créatures dans les, dans les cages Alors c'est sûr. C'est sûr, ce sont des monstres, vous en êtes certain. Par contre, pour le moment, il y a des espèces de bâches par-dessus ouais. euh, okay. qui vous empêchent de véritablement voir. Vous êtes des naturons, certes, mais vous ne connaissez pas non plus toutes les espèces, toutes les, tous les monstres. Il y en a vraiment une multitude, donc vous ne les connaissez pas tous. Euh, voilà, pour le moment, ce que vous pouvez entendre, c'est que euh, les créatures, les monstres en fait, qui sont dans des cages, ont probablement été un petit peu comme vous. Vous ne savez pas si ça a été drogué ou quoi, mais toujours est-il que euh, voilà, les cages s'éveillent un petit peu. Euh, vous entendez des, des bruits, des petits bruits de, de créatures. Euh, rien de plus normal, puisque euh, une créature qui se réveille et qui est euh, complètement enfermée dans une cage, fatalement euh, va émettre euh, quelques réticences. Euh, voilà, ce que vous voyez autour de vous, c'est que vous êtes dans euh, une, un environnement de, de jungle, en cage, d'autres créatures autour de vous. Au-dessus de vous, vous avez ce village, ce village constitué de passerelles, euh, de ponts, euh, un village euh, en haut duquel il y a certains enfants. Qui sont sur les rambardes et qui vous regardent d'en haut, très curieux de voir, hein, d'essayer d'apercevoir de, de, ce qu'il y a dans les cages, très curieux de votre de votre condition. Euh, et donc l'éternelle question que vous verrez dans tous les jeux de rôle qu'est-ce que vous faites On est à quelle hauteur dans les à quelle vous hauteur Je n'ai pas entendu. au rez-de-chaussée. Vous êtes par terre. On mmh, est sur le Le village est au-dessus. Ah, on est tous ensemble ouais. ou c'est ah. séparé nos cages ca Vous quatre, vous êtes ensemble dans la même cage. Vous avez vos tokens. Je vous ai mis sur le token. Attends. Oui. Je ne sais pas si, si c'était euh, si euh, si à l'intérieur ou pas. Si si. Euh, non non, vous êtes toutes euh, et tous dans la même cage. Euh, okay. et, les, et après les monstres qui ont, qui eux pardon, sont beaucoup plus massifs que vous. Euh, il n'y a qu'un seul monstre par cage. Ouais, donc, j'en ai okay. une cache pour quatre. quoi. Vraiment, on n'est pas logé à 4 étoiles. Hein. Vraiment, euh... Putain, non. ça sera une étoile sur Triple <laughs> ah <bon. rire> Est-ce que euh, c'est est une cache comme on la voit C'est-à-dire que c'est vraiment des bouts de bois liés par des cordes entre eux, etc. C'est ça. Ça reste quand même. Ça, ça, ça a l'air d'être du, du beau travail. Euh, ça a l'air assez solide. Hein. Est-ce que c'est du bois Est-ce que c'est une espèce de bois équivalente euh, au bambou tu vois, quelque chose d'assez souple, mais quand même relativement résistant. Euh, mais c'est maintenu par des p'tit... cordes entre. C'est oui, est ça. Ouais. Okay. Est-ce qu'il y, y a des gens. Chose que... La première en chose sens. que Moustique va faire, ça va probablement être de secouer la grille pour essayer de voir s'il ne peut pas la faire céder en mode Ah mm. Laissez-moi sortir. Ok, okay. et eh bien écoute, je propose qu'on fasse le premier jet de la soirée. Euh, ce qui va me permettre de vous expliquer un petit peu le système et ce qui aura pour conséquence de répondre à la question euh, de Lian sur est-ce qu'il y a des gens autour euh, Je vais y répondre. Alors, le jeu est très simple et j'ai oublié de faire euh, mes devoirs. Je vous invite donc à aller euh, sur Roll20 tout en haut à droite de votre écran dans les euh, paramètres. Déjà. Euh, dans les paramètres, vous allez dans euh, Option 2D et vous cochez tout. S'il vous plaît. Voilà, ça c'est ce qui va permettre au chat de pouvoir voir vos, vos magnifiques, euh, magnifiques langes C2D, pardon. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je vous invite à aller donc dans l'onglet euh, juste à côté, Collection, en haut, euh, à côté de paramètres. Et dans Collection, euh, vous allez cocher les raccourcis euh, se concentrer et déchaîner le monstre. Donc ce seront les seuls raccourcis que l'on va utiliser ce soir puisque ben le jeu n'est pas encore sorti en France, il n'y a pas de fiche VTT pour le moment en tout cas. On n'a pas l'anglais collection, je crois. Alors moi, j'ai l'anglais collection, mais j'ai pas ce que tu dis dans. oui, alors c'est parce que j'ai oublié de faire un truc. Bougez pas. C'est affiché comme Maxita Tac Tac tous les joueurs. Là, il y en a un normalement. Ouais. Ouais, oui. C'est pas le bon. Se concentrer et, on coche dans et la le barre. deuxième arrive voilà tu le coches ouais. dans la barre et as le deuxième qui arrive c'est déchaîner le monstre pareil tu coches dans ah. la barre et normalement okay. en bas à gauche de votre écran vous allez avoir donc les deux macros voilà. donc oui. euh, voilà oui. vous aurez besoin uniquement de ça ce soir wow okay. très bien j'ai fait mes devoirs alors le système est très simple euh, donc c'est un moustique qui veut jouer ce soir clac cette action je vais ouais. montrer un petit peu ta fiche donc, euh, c'est très simple. Euh, hop. Votre fiche est composée de plusieurs choses. Vous avez ce qu'on appelle le style. Donc, le style, c'est en gros euh, les caracs. Vous en avez quatre puissant, précis, rapide et sournois. Je pense que les, euh, les caractéristiques euh, parlent d'elles-mêmes. Puissant, ça va être tout ce que vous allez vouloir faire en force ça représente votre vigueur, votre capacité à encaisser euh, voilà, ce genre de choses. Précis, c'est tout ce qui va demander un petit peu de minutie, euh, de précision, etc., de, euh, de réflexion, euh, d'analyse. Rapide, c'est au contraire votre témérité, votre capacité à agir vite, votre euh, peut-être capacité de déplacement. Donc, c'est quelque chose dans l'urgence où vous faites ça un peu à l'instinct. Et sournois, euh, c'est un petit peu la discrétion, vous déplacer, arriver dans le dos, mentir. Euh, voilà, on peut un petit peu tout imaginer. Vous avez donc 4 styles euh, notés de 1 à 3. Et le score que vous avez dans votre style représente le nombre de dés6 que vous allez lancer. Le but du jeu, c'est simple. Vous devez obtenir au moins un 5 sur l'ensemble de vos dés. À partir du moment où vous avez au moins un 5, c'est une réussite. Vous avez besoin que d'une seule réussite pour euh, bah, réussir vos actions. D'accord Ça, c'est le premier truc. Avec ceci, donc avec vos 3d6, 2d6, 1d6 selon votre choix, vous allez lancer un dé d'action. Le dé d'action par défaut c'est un d 8 parce que vous êtes euh, avant tout des humains et les humains lancent un d 8. Ce dé d'action va symboliser votre flamboyance euh, à l'action. C'est-à-dire que si vous obtenez euh, un faible score, l'action est réussie, mais c'est pas terrible. Alors que si vous obtenez sur votre D8 un score plus haut, euh, bah, l'action est non seulement réussie, mais euh, c'est encore, euh, encore mieux. Et pour nuancer ça, vous avez même cette petite tête de jeu. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'un résultat de 1 à 4, c'est un succès mitigé. Donc vous allez y arriver, mais il va y avoir un petit, une petite contrepartie à payer, un manque d'efficacité, il va y avoir un, un contre-coup. Sur 5, de 5 à 7, c'est un succès classique, normal. Donc vous allez y arriver. Point. Il ne se passe rien de plus. Et sur du 8 ou plus, c'est un coup critique, c'est une réussite exceptionnelle. Non seulement vous allez réussir votre action, mais en plus de ça, euh, vous allez obtenir euh, une impulsion pour la suite, une aubaine, un avantage euh, qui sera matérialisé de, de différentes façons. Et vous allez me dire, mais Manitou, comment c'est possible de faire 8 ou plus si on a un des 8 Eh bien. Euh... Oui, Manitou, comment ouais, est-ce possible merci. de faire 8 ou plus si on a merci. un des 8 Merci. Ah, heureusement, il y en a un qui suit. <laughs> Hein <laughs> vous avez okay. des compétences. Les compétences, donc vous avez un petit score à côté. Et ce score de okay. compétences va servir de deux façons différentes. Soit c'est un petit point que vous allez mettre sur l'un de vos dés, admettons il vous faut 5 ou plus et vous n'avez aucun dé qui a fait 5 mais vous en avez un qui a fait 4. Et bien grâce à votre, euh, par exemple toi euh, moustique, hein, grâce à, à Assurance par exemple, euh, tu vas pouvoir dire que ton 4 est transformé en 5 et paf, c'est un succès. Voilà. Par contre, ça peut aussi servir à améliorer votre dédaction. Donc, si tu as fait un 8 sur ton dédaction et que tu n'as pas utilisé assurance, par exemple, dans tes dés, bah, tu peux dire que ton point en assurance va sur le dédaction et donc te faire un 9. Voilà. Donc, euh, voilà. les compétences servent à ça. Donc, euh, je pense que c'est okay. pareil, les compétences parlent d'elles-mêmes, mais si vous avez besoin d'infos, je peux, je peux y répondre. Et le D8, on le lance à chaque fois qu'on fait une action après avoir fait euh, nos chaque... D6 avec le style Absolument. Vous allez okay. lancer systématiquement un D8 à partir du moment où c'est l'humain qui joue. Maintenant, vous êtes des naturons. Et les monstres dans la nature, qui sont des monstres quand même beaucoup plus balèzes que des simples humains, eux, ils n'utilisent pas un D8, ils utilisent un D20. Et vous, vous êtes des naturons. Et vous avez votre part de monstres qui de temps en temps a envie de se manifester, et donc au lieu d'un D8, vous allez lancer un D20. Sauf que, euh, quand vous êtes un petit peu en, en forme humain, on va dire, euh, vous êtes concentré, vous savez ce que vous faites, euh, c'est mesuré, c'est calculé, euh, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Alors que quand c'est la bête, euh, vous laissez un petit peu votre sauvagerie prendre le dessus, et ça a plusieurs conséquences. La première de ces conséquences, hein, c'est que vous allez perdre un dé euh, de style. Donc si par exemple vous avez 3 en puissance et vous voulez faire un G de puissance, vous n'allez pas lancer 3 dés de puissance, vous n'allez en lancer que 2. Par contre, en contrepartie, vous allez avoir un D20 d'action. Donc euh, faire un 20 ou faire un 8 sur une action, sachant que c'est aussi les points de dégâts que vous pouvez mettre, ça fait une petite différence. D'accord euh, par contre, il y a une deuxième contrepartie. Euh, c'est là qu'intervient le groupe. Vous êtes une meute euh, et vous avez donc en tant que tel euh, ce qu'on appelle des points d'harmonie. Les points d'harmonie, ça représente votre cohésion de groupe. Vous êtes, euh, c'est votre morale, c'est voilà. Vous avez trois points d'harmonie pour cette soirée, d'accord Si vous déchaînez la bête euh, et que vous faites un, un, un G, donc en déchaînant la bête. Si votre G est un échec, vous perdez un point d'harmonie. Voilà. C'est un petit peu une façon de doser le fait que vous soyez pas tout le temps en mode monstre à bourriner constamment. Donc on, je dis ça notamment à prix, hein, ce soir, euh, qui va probablement faire perdre des points d'harmonie à la table. C'est une accusation tout à fait gratuite. Oui, mais ô combien justifiée Probablement vrai, mais voilà. Alors n'ai pas compris, il faut faire pile 5 ou c'est 5 ou plus sur le G Si tu fais un 5 ou plus, c'est une réussite. Euh, Donc 5 sur 5, 5 et 5 6, plus, voilà, c'est des réussites. Donc c'est euh, plus permissif que Thales from the Loop, par exemple, si c'est ta question. Ou Elysium, que tu connais très bien. <laughs> Exactement. Deux fois mieux. Euh, on deux on fois peut mieux. en récupérer des points d'harmonie Oui, il y a des manières de récupérer des points d'harmonie, euh, mais on ne les utilisera pas dans, cette, euh, dans cet épisode. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc vous avez un euh, trois points d'harmonie. Oui. Je suis désolée, je vais te faire répéter mais euh, je, les on peut faire 5 ou 6 pour avoir une réussite, c'est ça oui. oui. Non Si, OK. À ouais. partir de 5, c'est une six. réussite encore. Voilà. OK, c'est bon. 5 ou 6, et... c'est des réussites. Donc tu as deux si tu as une peut, chance sur 3. De... Ouais, OK. Et donc on peut utiliser un petit point, euh, un point de compétence pour euh, augmenter un 4 aussi, euh, si jamais Exactement. On y fait appel. Exactement. Super si tu n'as pas réussi à avoir de 5 et que tu as fait un 4, par exemple, euh, tu peux utiliser un petit point. En tout cas, si tu as la compétence qui va dans, avec l'action, tu peux utiliser un point ouais. pour augmenter ce oui, score. Oui, si c'est cohérent, quoi. Si c'est cohérent, ouais, euh, ouais. si ça va avec le G, ça marche. Si euh, tu fais 5 ou 6 sans avoir besoin de ton point de compétence, ton point de compétence n'est pas perdu il s'ajoute à ton D8 ou à ton D20, selon ce que tu choisis. Voilà. Et, Good. dernière chose, si vous avez plus plusieurs euh, réussites, donc si vous avez plusieurs dés qui font 5 ou 6, euh, vous avez le choix, soit vos réussites supplémentaires sont ajoutées à votre dé d'action, pareil, pour dépasser 8 ou pour dépasser 20, soit euh, vous pouvez les utiliser de manière narrative, euh, un peu comme Fabule Ultima, les aubaines, euh, vous allez pouvoir ajouter un petit détail dans la fiction, me poser une question, voilà, ce sera forcément quelque chose qui va vous avantager. Euh, donc on peut être créatif, euh, voilà, dans la mesure du possible, en, général, en règle générale, euh, ça fonctionne. Donc voilà pour, les, pour la mécanique de base. En gros, c est, c est, le système c'est uniquement ça. En tout cas pour vous. Il n'y a rien de plus. Donc on est vraiment sur un système qui est très simple, euh, qui est plutôt fluide, une fois qu'on a bien compris, ça va un petit peu plus vite. Euh, dernière petite particularité, et je ne vous embête plus, c'est que pour pouvoir faire appel à votre côté monstre, pour un G, il faut que ce soit logique avec le G. C'est-à-dire qu'il faut, ce un... faut que vous puissiez utiliser l'un de vos traits. Donc sur votre fiche de personnage, vous avez des traits, vous avez tenacité et intuition. Ça, c'est commun à tous les naturons. Donc ce sont des traits humains, pas monstrueux. Par contre, les traits monstrueux sont juste en dessous. Donc par exemple, toi. Euh, moustique, tu as le trait déchaîné. Donc, euh, si tu arrives, RP parlant, à me dire que ton, euh, ton aspect bestial déchaîné entre dans la fiction et que tu veux t'en servir pour une action, si c'est pertinent, tu pourras euh, utiliser un D20 au lieu d'un D8. Alors, on est vraiment assez large sur les utilisations, ne restez pas bloqué sur juste le mot ou quoi, essayez d'être un petit peu imaginatif. Euh, si vous voulez, euh, par exemple, c'est quoi ton autre C'est modificateur, euh, l'instinct de trouver de confinés... Ah pardon, c'est tellement petit pour. Voilà, donc tu sais faire des, des, vais... des, des abris sympas, des petites cabanes, etc. Je sais le faire tipi. des tipis. Effectivement. Euh, eh bien voilà, si tu me si tu arrives à me convaincre que cette ce trait euh, nidificateur peut te permettre d'une façon ou d'une autre euh, de déchaîner la bête en toi, tu auras le droit d'utiliser ton dévain. D'accord Et voilà. du coup, pour utiliser nos traits monstrueux, on est obligé de définir le monstre Oui, euh, c'est-à-dire tes traits monstrueux. Alors attends, je vais aller sur... Moi j'en ai un, c'est un passif. Du coup, Alors si c'est un passif... De... Non, non, le passif c'est quelque chose qui marche pour toi. Les passifs, c'est euh, de base. T'as rien à faire, c'est dans toi. Ça ne requiert, requiert pas de jet. Voilà. Et l'autre, c'est juste, je régénère mon arme, donc je suis obligé de sortir le monstre pour la régénérer non, pas forcément. Là, on est vraiment sur des, 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 des actions que vous voudriez faire, où vous avez besoin d'un coup de boost. Vous pouvez dire, okay. voilà, c'est grâce à mes capacités de monstre que je peux le faire. Maintenant, okay. euh, vous êtes des naturons il n'y a pas de mode normal, mode monstre. Vous êtes tout à la fois. Donc, tu, tu n'as pas de contrepartie, en, hormis le coup que va te demander peut-être ton, ton action. Il y a des actions qui demandent des coups on y reviendra plus tard. Genre une réussite, deux réussites. Voilà. À ce moment-là, oui, il faudra que tu fasses un G pour pouvoir t'en servir. C'est un peu la nitro dans Fast and Furious, absolument. Voilà. Donc, nous sommes en présence d'une action où tu m'as dit très clairement, Moustique, que tu t'accrochais au barreau et que tu voulais secouer comme ça avec vigueur pour essayer peut-être de les casser, de, euh, de sortir d'ici. Ça m'a tout l'air d'être un, un, un style puissance, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, oui. Très bien. quest Qu ce que, tu... que j'envisageais. Donc, je pense qu'en termes de euh, compétences qui va avec, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire Il y aurait. Tac-tac-tac, euh, euh, je regarde parce que c'est pas non plus aussi euh, facile pour moi. Il y aurait coût éventuellement, puisque tu veux vraiment frapper, tu veux vraiment le, le casser. Coût, ça pourrait marcher ouais. Ou euh, assurance en, en disant Eh oh, euh, qu'est-ce qu'on fait là-dedans euh, Laissez-nous sortir. Alors, pour ça, c'est pas pour casser. Du erreur. coup. Alors, du coup, ce serait pas pour casser la cage, ce serait plutôt pour euh, convaincre euh, peut-être des braconniers dans le coin de venir te libérer. Ouais, non, je vais y aller. Euh, je n'aime pas trop cette idée d'être enfermé. Euh, je comprends. On va y aller avec coup. Ok, très bien. Et donc, tu vas lancer donc, ton, ton nombre de dés de style. Donc, quand tu cliques sur la petite euh, macro, euh, se concentrer. Alors, déjà, est-ce ouais. que tu te concentres ou tu utilises la bête direct comme ça d'entrée de jeu je me concentre. Ok. Je donc suis quand raisonnable. Quand tu cliques sur te concentrer, mmh. voilà, ça va te demander le nombre de dés. Et donc tu as un 4 et un 1. Donc ce n'est pas suffisant. Est-ce que tu avais des points Mais... en coup Oui, j'ai un point en coup. Et donc... Du coup, euh, je vais euh, upgrade mon 4 en 5. Mmh. Et, et du euh... coup, c'est une réussite avec une valeur donc d'action de 5 et on le rappelle, les qualités d'action sur 5, ça représente un succès classique, normal. Donc tu vas accomplir ta tâche. Donc euh, dis-nous dis ce que tu fais exactement avec ton 5. Ton euh, je, un... je brise un barreau en deux. Ok. Il y a, des, y a, des bar... y a un, un ou deux barreaux qui se détachent en fait et ça peut créer une ouverture pour se filer à l'extérieur. Ok. Alors toi, ça va le faire parce que es, euh, bah, tu ne t'appelles pas moustique pour rien. T'es un petit Ça, peu menu, me... un petit je... peu fin. Ce sera probablement pas le cas de tes compagnons de route, de ta meute. Mais voilà, tu, tu casses le truc, le, le barreau cède en deux, tu, il ne tient plus que par les ficelles, donc tu arrives un peu à, à, à t'en débarrasser. Tu, tu te faufiles difficilement, hein. tu es obligé de te contorsionner. Tu, tu sors de là, tu tombes au sol. Et on rebondit à la question donc, de Liane tout à l'heure. Oui, il y a du monde autour de vous. Il y a des braconniers qui sont présents. Et en entendant euh, bah, effectivement ce, euh, ce barreau se ce casser, euh, ça attire un petit peu l'attention. Euh, et vous entendez clairement deux, deux braconniers qui parlent ensemble. Il y en a un qui dit "Hé, eh, t'as entendu ça Je crois qu'ils sont, ils sont réveillés les autres. Là, va voir ce qui se passe. Sinon, le chef, le chef, il va gueuler quand il va rentrer. Ah ouais, pourquoi c'est à moi d'y aller tout le temps Donc voilà. Ils sont un petit peu en train de se, se disputer. Ah non, j'en ai marre de devoir... voir." Toujours moi qui m'y colle, t'inquiète qu'à y aller, toi. C'est pas toi le chef de toute façon. Tu entends ce genre de choses. Enfin, vous entendez tous ce genre de choses. Nadzine, qu'est-ce que tu fais à toi euh, Attends, du coup, moustique a réussi moustique à se passer entre et les... hors de la cage. Alors, est-ce que tu peux sortir de ta ouais. cage, s'il te plaît, moustique Ah euh, oui, pardon, je Moi, j'ai la, j'ai la, <laughs> <laughs> j'ai la, la cage en token par dessus. <laughs> Je peux être sortie, ouais, je vais être sortie par là, par ici. Comme voilà. tu veux, tu choisis. Très bien. Voilà, je suis ici. Parfait. Et euh, bah, en fait, au moment où Moustique entend des voix, il réa... elle réalise que euh, j'ai peut-être agi dans la précipitation et du coup, je regarde mes compagnons à l'intérieur en mode euh, Et maintenant, je fais quoi <laughs> C'est okay. exactement ça. Nadine, à toi, qu'est-ce que tu fais euh, J'essaie de idées. <laughs> Alors Nadine, c'est pas forcément son fort les idées, mais elle voit les morceaux de les morceaux de bois péter et elle se dit tiens pourquoi pas essayer d'en prendre pour euh, faire une arme de fortune vu qu'elle a bien remarqué que mm -hmm. personne n'avait ces armes. Okay. Donc euh, mm. voilà l'idée c'est d'essayer pas... de prendre des. Il y a pas de chez pour ça. Tu, tu arrives à passer le bras entre entre les barreaux et prendre euh, prendre par exemple le, le, un morceau de effectivement de barreaux un petit peu taillé hein, puisqu'il est cassé. Mm. Euh... Ok, très bien. Liane, qu'est-ce que tu fais, toi bah ouais, J'aimerais utiliser ma pince de crabe pour couper les cordes et nous créer une plus grosse ouverture ah. vers là où elle nous a... Où Moustique a commencé à nous créer une ouverture. Je vais couper les cordes autour pour euh, essayer d'agrandir en, en faisant tomber les, les autres barreaux. quoi. Ok, donc euh, moi je pense qu'une un, action comme ça, ce serait précis, puisque tu vas viser exactement le, 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 les, les cordes, etc. Je pense que ce serait précis euh, avec comme euh, compétence. Hop, je les ai plus. Si elles sont là. Euh, je crois que c'est travail. Attends, on va voir, ta, 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 ta ta. Travail, créer ou réparer des objets. Nah, 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 ouais, peut-être pas. Si on, enfoncer les piquets, effectuer... Nah, nah, nah. Ouais, ce serait travail, ou sauf si tu me convainc d'utiliser de, de, autre chose, mais euh, je pense que c'est travail, justement pour scier euh, les, les, les cordages. Non, le travail ça me, ça me paraît bien. On va tenter très le coup. De... Est-ce que tu Donc, y dans... vas en, nature, en, en en humain ou en bête que tu Non, non, je... Bête je reste moi-même. <laughs> très bien. Tout. Dans nombre de dés, je mets trois. Du coup, vu que j'ai trois appréciés. Tout à fait. Et okay. après, tu cliques sur suivant et ça fait, ça fait le reste tout seul. Donc on est en... ah. on a pas de réussite. Est-ce que tu as un petit point Non, en... j'ai pas de recherche. Ouais. Tu n'as oh, pas non, de recherche on okay. donc euh, ce qui va se passer c'est que ton action réussit quand même donc tu vas tu vas ça va te prendre du temps tu vas tu vas cisailler euh, le, le bois euh, le problème c'est que ça fait un, un raffut. Euh, parce que tu as une espèce de pince avec des, des espèces de dents ça fait vraiment le gros comme si tu étais en train de scier un arbre quoi vraiment ouais, là, ça tu... que je vais faire sur les cordes un petit peu plus oh, c'est oui. ça donc ça fait quand même pas mal de bruit. Euh, ce qui se passe, c'est que ton action, ça, ça, ça fait un peu réagir. Euh, les créatures qui sont dans les, dans, les autres, euh, dans les autres cages, ça commence à s'agiter, euh, ça commence à mettre des, des petits coups euh, dans les barreaux, un peu peut-être à, à vous imiter, vous ne savez pas. Toujours est-il que est vous entendez différents grognements. Beau. Euh, vous entendez, euh, ouais, plusieurs grognements et euh, comment je peux, je sais pas trop quel bruit ça fait, mais euh, il y aurait plutôt, on va dire, un, un grognement qui, qui peut faire penser à un rongeur, un autre qui peut faire un penser, squeak, squeak. ouais, par exemple, en, en, en plus monstre hein, quand même, euh, un autre monstre. <laughs> Vous avez un autre monstre qui peut faire penser à, par contre, un, à un volatile, peut-être. Donc ce n'est pas un pioupiou mais... Un, un pioupiou Voilà. <laughs> C'est ce que fait le poussin géant. Euh, et un dernier dernière, <laughs> un dernier monstre qui fait des bruits. de... Alors je sais pas trop quel bruit ça fait, mais ce serait plus insectoïde, euh, arachnoïde, quelque chose un peu dans ce délire. Un truc assez un, un petit peu, un petit peu comme ça. Je sais pas trop faire le bruit de, de ce genre de bestiole, mais un petit peu dans l'idée. Voilà, Mamoudo, donc euh, Doupin, euh, votre compagnonne de route, est à côté. Euh, elle vous regarde faire. Euh, elle est assez passive. Hein, c'est pas euh, c'est pas une créature très très euh, vive ni très agressive. Et euh, elle est enfermée. Elle vous voit vous agiter. Euh, pas plus que ça, elle va se faire un, un petit tour, un petit rond comme ça, et puis elle va se, elle va se mettre à dormir. Oui, euh, c'est le comportement d'un ah, chien On n'a rien à carrer, quoi. <laughs> merci, Led <lettre> Doupin, merci. <laughs> non, mais oui. plus... Moi, moi je vais décider de voir ça comme un point positif. Ça veut hum. dire qu'elle se sent pas en danger. On peut voir ça comme ça aussi. Effectivement, ça. ça... Effectivement. Okay. Oui, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais alors, euh, les braconniers se sont rapprochés de nous pas Pas encore, ils sont en train de se demander hein, qui va y aller. Euh, ils ne sont pas encore fixés. Euh, visiblement, c'est un long débat pour savoir qui va se bouger. Euh, merci merci, <laughs> les... <Très bien. rire> merci euh... les clips hein, pour les bruitages, bien évidemment. C'est euh, Du coup, là, les barreaux euh, sont euh, assez. Euh, on a réussi à. à, à... À ouvrir pour a... sortir du coup il y en a sortir. un qui est cassé euh, qui a permis à moustique de sortir mais moustique étant euh, assez menu euh, toi tu passes pas toi t es, t es un peu plus massif et il faudrait euh, faudrait euh, agrandir le trou éventuellement je vais euh, je, je vais donner un, un grand coup de pied dans le dans dans le, des, dans le, dans le voilà dans le truc pour essayer de, de casser mmh. de finir le travail en fait d'accord eh ben, tu vas me faire un c'est de la puissance et un coup, hein. Là je pense que c'est sans équivoque. Hein. Ça, ça coup et oui. puissance, exactement. Mais euh, mes, mes Est-ce que, euh, est que tu déchaînes la bête pour le faire Est-ce que tu te sens comme un animal là. sauvage en cage Est-ce que tu as envie de faire perdre un point d'harmonie dès le début du jeu ça, voilà. Je suis bien tenté. Euh, je sais. Alors <laughs> maîtresse, c'est menace. Et alors menace, c'est plus d'intimidation, mais euh, c'est. Euh, bah là tu frappes, hein. Tu frappes donc euh, c'est coup, hein. C'est ça. Oui c'est ça. Donc euh, je suis pas sûr que euh, mes traits soient adaptés. Donc euh, ah bah après, après si menace attends. Ah pardon. Je, menace. je je non, je que... Oui oui et... ouais, ouais, alors attends j'avais pas compris ça deux secondes. Je vais sur ta fiche euh, vite fait. On va montrer ça au chat. Tu joues euh, tu joues tu joues euh, prix. Alors ton trait c'est menace. Donc est-ce comment tu pourrais me vendre un... menace en fait? Euh, tu peux très bien. Alors, je te donne un petit peu pour le début, pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc, menace, c'est une caractéristique intimidante, euh, comme euh, quelque chose de corporel qui puisse faire peur aux gens. Mais tu peux très bien me dire que voilà, euh, quand t'as peur, quand t'es très déterminé, tu as, tu as, cette caractéristique qui, qui vraiment sort euh, parce que t'as peur justement et donc t'as euh, peur d'être enfermé. Ça. Tu te sens, voilà, tu te sens menacé. Donc, tu peux très bien me, 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 me vendre ça comme ça et ça passe. On est encore une fois assez L'axiste sur euh, l'utilisation des traits, puisque de toute façon vous serez dans tous les cas limité par les points d'harmonie. ce que je vous expliquerai ce qui se passe ben quand écoute, vous arriverez à zéro euh... Ça, mais on va essayer de, de t'arranger ça. <rire> <rire> okay. euh, mais du coup, euh, après, il a quand même été assez maltraité euh, une grande partie de sa vie. Du coup, euh, il mis en cage là, je rappelle des, des mauvais souvenirs. Il est très énervé, mmh. euh, très... Enragé, hein. donc il va pousser un, un hurlement euh, féroce euh, et euh, donner un énorme coup de pied pour euh, briser euh, ce barreau. Donc. Parfait, Fais-moi ton petit G, donc toi tu vas utiliser euh, déchaîner alors. le monstre. C'est ça, donc du coup j'ai trois en puissance, donc il reste 2. Tout à donc, fait. C'est un déchaîner le monstre, du coup je shoot 2 dés et je lance. Et tu ne me déçois jamais euh, Alors j'ai <laughs> un en coup, <laughs> je peux augmenter ce 4 ou pas bah, oui, mais c'est juste raté 4, quand même, hein, de toute ah, le façon. C'est la réussite, c'est pas... ouais. l'action. C'est le, le D20. <laughs> le... Oui, bah, alors, dommage. Alors, double 1 hein, quand même. Hein, ce double 1 est magnifique. Très bien. Donc, alors, deux, voilà. donc, euh, votre harmonie euh, passe <laughs> à 2. Alors, je vais vous expliquer quand même ce qui se passe. Euh, D'ailleurs, c'est écrit, hein, t'as vu, j'ai fait une petite macro où en plus, ça me le rappelle. Hein, en cas d'échec, moins 1, point d'harmonie. <laughs> Vous êtes donc ah, à Qu'est-ce deux... qu'on ferait pas pour euh, favoriser cette Oui. La Merci, hein. Cette actuelle plaie n'est pas préparée en plus. Hein. C'est <laughs> vraiment du direct. <laughs> Quand vous êtes à zéro point d'harmonie, euh, mécaniquement, euh, il se passe rien pour vous. RP parlant, c'est un peu compliqué euh, parce que certains d'entre vous ont trop libéré la bête. Euh, vous êtes un peu désharmonisés. Voilà, vous n'êtes pas trop euh, euh, en cohésion. Euh, le moral est un peu en berne, mais à partir du moment où vous êtes à zéro d'harmonie, mécaniquement, il ne se passe rien. Par contre, si vous déchaînez le monstre en étant à zéro d'harmonie et que vous ratez, vous devenez dissonant. Votre personnage n'est plus du tout en phase avec son côté monstre et vous subissez un désavantage sur tous vos jets. Un désavantage, c'est quoi C'est qu'en temps normal, vous devez faire 5 ou 6 pour faire des réussites. Un des avantages, c'est que vous devez faire uniquement 6 pour réussir vos G. Donc c'est compliqué. Par contre, euh, dans d'autres circonstances, il est possible aussi que vous ayez des avantages. J'en profite pour vous le dire. Le fait d'avoir un avantage sur vos G, ça veut dire que vos G réussissent sur 4, 5 et 6. Voilà. Petite parenthèse. Donc, qu'est-ce qui se passe, euh, mon, mon bon prix euh, C'est les soldes. Hein, tu n'es que. Que la moitié de toi-même. <laughs> Donc en je suis fait, pas à bon prix, là. Ce qui... non. Ce qui se passe et merci pour le chat, hein, pour le, la vanne sur les soldes que je trouve très bonne. Tu t'es énervé. Tu comment ça se manifeste en fait dans ton côté bestial avant que tu te rates euh, visuellement Ça donne quoi bah, euh, il commence par pousser un énorme rugissement avec les. De dents euh, très menaçantes et très pointues euh, Toutes mm. sorties et tout euh, en mode de... Et, euh, et en fait ce qui se passe C'est que euh, tu euh, C'est ça en fait tu, tu veux mettre un énorme Coup de pied sur, sur le, le, la jointure En fait du bois Qui allait est tellement Puissant que tu as mal visé Et en fait ton, ton pied ripe un petit peu Et ce qui se passe c'est que tu te coince Complètement le pied en fait euh, Entre les barreaux hein, de la cage et tu y allais tellement, mais euh, j'y crois à mort, quoi. Que voilà, c'est t'as ah, oui. carrément le pied, le genou qui est passé. Donc t as, t as, et le genou bloque maintenant parce que tu y allais tellement en force que pour le retirer, t'as ton genou qui bloque. Donc tu es, tu, <laughs> tu ne me déçois jamais. Tu es coincé dans la cage. Et puis tu un petit, euh, un petit glapissement oh. un peu plaintif sur. <laughs> Ce qui se passe, c'est. T'as entendu ça Ils sont en train de foutre le bordel. Allez, euh, va voir, sinon, euh, sinon je le dis à clé. Euh, et tu vas voir ce qu'il va te dire hein, s'il revient et que t'as pas travaillé euh, comme il faut. Euh, ah bon, ouais, d'accord, d'accord. Et donc, euh, vous entendez euh, des bruits de pas, un individu s'approche de votre cage. Vous avez un tour euh, avant que quelqu'un ne soit sur vous. Ouais, il va falloir trois sessions, je pense, à ce rythme-là, en fait. Euh... <laughs> Qu'est-ce que vous faites oh, maintenant... Vous voyez cette situation Vous voyez, euh, Prix qui est à moitié dehors, en fait, hein, quelque part, mais, mais, mais pas euh... comme il voudrait. Euh... Euh... Est-ce que, <laughs> moi, en étant dehors, je peux essayer de le repousser Peut-être Oui, bien sûr. Comment tu t'y prends De façon précise De façon puissante de, so de façon sournoise Genre, allez, à trois, je pousse. Et en fait, c'est à 3 que tu pousses sans compter d'un 2. J'aurais plutôt été en mode rapide parce que j'entends qu'ils sont en train d'approcher. Ok. Donc, il va falloir un petit peu se manier là si je veux réussir à le dégager. Un petit regard un petit peu plaintif, toi. Le chien battu, quoi. C'est ça. Oh là Prix, je suis encore obligé de te sauver la vie, c'est fou ça Vas-y, fais-moi. Remets <laughs> ça sur le terrain dès qu'elle peut. <laughs> tu me dois. <laughs> ça, ça, je peux changer. <laughs> euh, on... Qu'est-ce que je saisis C'est attraper quelque chose, c'est ça Ça va me... pas fait, trop. Ouais. Euh... Après, ouais, je, je vais pas être chiant hein, vraiment pour ce soir parce que le, le jeu, je le maîtrise pas non plus complètement. Euh, saisis, qu'est-ce que ça dit Tac-tac-tac-tac-tac. Euh, T'as tac, tac, tac. un truc, hein, basiquement. Saisis je ne le vois pas, ce truc. Ah si, saisie. S'accrocher et agripper des monstres ou des objets, exemple. Une, une saisie hum, puissante pour arracher vos provisions à la gueule d'un monstre affamé. Euh, ouais, donc je pense que ça peut passer. Si tu, si tu l'attrapes, en fait, ouais, je te l'accorde. Bah, en fait, l'idée, euh, ce serait peut-être du coup de euh, tirer un barreau pour essayer de, euh, de, de dégager un espace qu'il puisse retirer sa jambe euh, ok ou autre, euh, Ok, bureau. donc tu... Vas-y, à, à trois, je tire et tu retires ta jambe et normalement, ça va le faire. Ok, très bien. Oui, oui, doup, oui, Doupin, tout va bien. <laughs> Excusez-moi, c'est mon chat. Vas-y, fais-moi ton G. Euh, et j'y vais en se concentrer. Hop, j'ai 3D, on envoie ça. Ya Eh bien, tu as une réussite, donc oui, ça bien. passe. J'ai une réussite. Et très tu as bien. fait 5, donc tu obtiens exactement l'effet que tu voulais. Donc, ce qui se passe, c'est que tu, tu, tu tires euh, suffisamment le bois pour créer un espace euh, conséquent et euh, pris. Tu, tu, euh, voilà, tu en profites pour te reculer. Tu tombes un petit peu à la renverse parce que bah, tu étais en équilibre sur une seule jambe, euh, mais euh, bah, te revoilà à l'intérieur de la cage, quoi. Alors que tu étais à 25% sorti. On dirait Jurassic Park et nous revoilà. Dans la cage. <laughs> oui, mais il a cassé un bout de barreau. dro qu'on a un petit peu avancé. Oui, effectivement. Alors, par contre, euh, ce bruit inquiète un petit peu les créatures dans les cages, qui euh, font de plus en plus de bruit. Euh, les créatures s'agitent, commencent à taper un petit peu plus violemment sur leur cage, visiblement très mécontentes de leur sort. Euh, ça, ça fait, fait vraiment bien. beaucoup de bruit. Vous. La révolution <laughs> Qu'est-ce que vous faites, Nadine, Liane Est-ce qu'on peut demander. Euh, est-ce que Dupin, euh, c'est pas un animal de compagnie, mais est-ce qu'elle. Euh, si on lui demande de venir foutre un gros coup de tête euh, dans les barreaux pour nous aider, est-ce que c'est le genre de choses qu'on peut lui demander ou pas du tout, tout Mais à elle est euh, compétence... en cage elle-même je... Avec la compétence. Oui, Dupin est en cage ouais, dans... est à côté. Vous voyez elle elle est est là, était... Je croyais qu'elle était à côté, mais pas en cage, qu'elle était en train de chiller dans, dans l'herbe. Dupin, elle, <laughs> elle, elle est là. t'es vraiment honteux, elle... tu vois, est à côté. Ah ah, ok, d'accord. Fermer. <laughs> ok. Bah sinon. Euh... Mais tu. Par sinon... contre, tu, ça, t'empêche pas. Hein. Tu peux demander à Dupin mm. de s'énerver un peu et de casser sa cage. C'est, jouable. En fait, la compétence qu'il va te falloir, même si tu l'as pas, ce sera avec ça que ça marche. C'est cri. Euh, pour communiquer justement avec les animaux, pouvoir, euh, pouvoir. à euh... il y a cri ou euh, qu'est-ce qu'on peut trouver J'avais vu un autre truc sympa. Que... Assurance pour que, que un monstre Ouais, non, ce serait montrer comment euh... faire. Non, ouais, parce alors est si, une si elle timide, elle se bloquer une patte. <laughs> ça la ça. Ce serait cri, en fait. Ouais. Cri, c'est ouais, pour je... l'encourager. Ouais. ça n'a pas l'air d'être très adapté euh, dans, dans ce cas, du coup. Euh, Peut-être tout simplement la force brute. Hein. Je pense que c'est pas oui. mal. Je pense pour quelqu'un qui d'habitude en fait. manie une énorme poêle à frire, euh, okay. je pense qu'on peut tenter. Absolument. Parce Donc, que là, le pic, ob... je ne pense pas que ça sert à grand-chose. Hein. Je voulais piquer les bah piques Si piques, Tu peux euh... peut-être essayer de faire levier avec, sinon... C'est vrai, c'est vrai. On peut essayer de faire si levier avec. C'est une un... très bonne idée. Heureusement que Moustique ah, a fait beaucoup de choses. Alors, en termes de règles, si tu veux frapper, si tu veux casser les barreaux avec ton bout de bois, euh, ça va être puissance et coût, du coup. Mm -hmm. Par contre, si tu veux faire levier, etc., moi, je pense que ce serait plutôt précis et travail. Euh, créer Alors, au mieux un... puissance. Je okay. pense que pour elle vaut mieux puissance, clairement. Vu ah le, bah ce que elle, ça a l'air d'être. nous, ta, ta puissance. Est-ce que tu déchaînes le monstre ou pas Non, on va faire, on va essayer. Le dernier, il paraît qu'il y a des gens qui, enfin, ça n'a pas réussi dernièrement, donc on va devant ce spectacle, nous allons éviter. Euh... <laughs> Allez, vas-y, fais nous tonger donc. Alors par Se contre, contre voilà, c'est le, de, de, le moment du dory. De, je suis déjà super. Moi, c'est mais pas le problème du jour. Hein. Le système est très très bien. C'est juste que je joue lances... toujours. Tu, tu lances en fait le nombre. Ah oui, j'ai besoin de cliquer sur se concentrer. Ah. Et tu, et tu, tu rentres le nombre de, de dés. D'accord, donc et là, par exemple, puissance, tu... j'en ai 3, donc je balance 3. Tu mets 3, suivant, et le truc fait tout tout seul. Ah bah, c'est merveilleux. Voilà, et tu oh, obtiens waouh. donc une réussite. Est-ce que tu avais un point en coup ou pas Mais pourquoi j'ai 4 dés Je croyais que j'en avais 3. Ah mais non, oui, c'est parce qu'elle... Est-ce que j'avais un point en coup Non, je ne pense pas un point en coup. Compétence coup N'ai pas la compétence coup, non, 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 et eh ben donc euh, c'est pas grave. Donc euh, tu euh, donc tu as fait 3 sur ton dé d'action, ok. Euh, mmh. 3 c'est que tu y arrives, mais il y a un petit quelque chose. Euh, si je dis pas de bêtises, attends, hein, qualité de l'action, c'est ça de 1 à 4, succès mitigé à euh, vous manquer d'efficacité ou vous subissez ça un revers. Donc ce qui se passe, c'est que tu vas mettre un coup très puissant. Mais euh, tu es tombé vraiment sur une jointure un peu, un peu solide de la cage. Tu, euh, tu la fractures. Euh, la cage est bien abîmée, mais pas suffisamment pour la casser complètement. Euh, par contre, si tu recommences... Euh, alors, petite euh, règle euh, que je vérifierai plus tard, mais quand vous ratez un jet avec un style en particulier, euh, vous n'avez pas le droit de vous en servir à nouveau. Il va falloir choisir une autre voie. Donc là, toi, ça va, tu as réussi. Tu as réussi en puissance, tu... Ça manque d'efficacité, mais tu as réussi. Par contre, euh, pour un euh, prix qui s'est complètement raté, si tu voulais sortir de ta cage, il va falloir trouver autre chose que puissant. Ok Sur Pareil, par exemple. Okay. Ton coup a pour effet que les créatures s'énervent de plus en plus. Vous entendez très distinctement les créatures euh, crier, s'énerver, taper. Mais il y a un problème. Oups. L'une des créatures, vous entendez très clairement ces cris qui changent. Vous avez un cri monstrueux, certes, mais plus la créature tape contre sa cage, plus la créature crie, et plus vous entendez dans ces cris une espèce de transformation. Les cris euh, deviennent comme des, des échos le cri devient de plus en plus grave, de plus en plus strident. Euh, quelque chose est en train de se passer. C'est quelque chose que vous connaissez. C'est la frénésie qui se développe à vitesse grand V chez cette créature. Cette créature, elle est ici. C'est celle-ci. Vous ne la voyez pas bien. Elle est encore sous les bâches. C'est le piou adulte. C'est piou-piou. C'est vraiment Vous aviez raison. Sauf que là, non seulement c'est un cri vraiment très grave, mais c'est un cri déchirant. C'est un cri qui résonne, un cri complètement inhumain, un mélange de de, de, de haine viscérale, de douleur, de voilà, c'est très, c'est indescriptible en fait. Hein, c'est vraiment. Par contre, euh, ce que vous voyez, c'est que les coups que cette créature met euh, sur sa cage sont de plus en plus violents. Euh, la créature grossit, elle tape de plus en plus fort, si bien qu'elle va exploser littéralement sa cage. Elle explose sa cage, les morceaux de bois partent dans tous les sens. Euh, ça met la panique au niveau des braconniers qui étaient justement pas loin de cette cage. Et euh, vous allez pouvoir voir la créature. Euh, voilà, la, la cage elle est là mais elle est cassée. Vous allez voir cette créature. Une créature hein, qui, une fois debout, une fois déployée, une fois son long cou euh, vraiment euh, déployé, fait bien dans les 4 mètres de haut. Oui, mm. ah ouais, c'est une, une belle bête. Mm. Et je vous présente le kakouari. Oh C'est ouais. magnifique. Magnifique. Ce serait magnifique. <laughs> oui. Alors, c'est une créature qui, visuellement, est très très belle, puisque vous avez en face de vous une espèce de pan. Euh, de pans monstrueux. Vous voyez donc que cette créature a des pattes euh, en acier. C'est des pattes en acier, euh, donc avec des serres euh, coupantes comme des rasoirs. Euh, vous voyez qu'elle a une espèce de longue traîne, euh, la, la, la queue du pan en fait, quand elle n'est pas déployée, qui est euh, elle aussi composée de plumes euh, métalliques, elles aussi coupantes comme des euh, rasoirs. Et c'est précisément de sa reine que la créature s'est servie pour couper euh, sa cage en deux. Elle, elle tel le un bec samouraï... Peut-être, Mais... oui, effectivement. Bon le, bec, euh, le bec est aussi quelque chose de menaçant. Vous voyez cette créature qui a tel un samouraï coupé en deux la cage, qui avec deux secondes de retard, bien évidemment, la cage s'est séparée en deux okay. pour un effet dramatique encore plus euh, impressionnant. Vous avez cette créature qui sort de la, de la cage, qui, euh, tel un T-Rex, voilà, pousse un, 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 un rugissement monstrueux. Vous voyez cette créature qui commence à faire la roue, qui ouvre sa queue. C'est un spectacle à la fois euh, magnifique et terrifiant. Cette créature hein, pousse un hurlement qui vous fait peur. Euh, vous êtes vraiment euh, pris par surprise. Vous êtes euh, figé un petit peu sur place devant ce... ce ce spectacle, vous voyez que cette créature ouvre un sac comme ça. Vous comprenez pas exactement ce qui se passe mais vous savez qu'il se passe quelque chose. Si elle fait ça, c'est pas anodin. Il y a quelque chose qui se passe. Et cette créature qui est donc complètement frénétique et qui est au dernier stade de la frénésie ne s'en va pas dans la forêt. Cette créature commence à s'acharner sur les cages des autres créatures. À commencer par Doupin, elle pas et le pain. Non, prie, ne me déçois pas. Qu'est-ce que tu fais? Je vais. Tu es sur tu es non, les, fesses je vais. En, les fesses à terre. Tu, tu viens de tomber en arrière. On t'a dégagé le pied de, de, de cette cage. Tu te retournes. Tu vois ce spectacle, hein, ce caquari ce euh, complètement libéré qui fait sa roue et qui commence à avec ses serres métalliques et coupantes à, à exploser, hein. il est en train de littéralement exploser la cage de Doupin. Qu'est-ce que tu fais Eh bien, écoute, euh, je, je vais me calmer maintenant. Hein. Euh, deux solutions. Soit j'essaie de crier sur le monstre pour lui faire très peur, mais euh, ça paraît okay. difficile là, hein, je ne vais pas mentir. Non, tu peux, tu euh, peux essayer. En plus, je peux essayer, mais je ne peux pas utiliser le style puissant. Hein. Je voulais pousser un, un gros cri euh, C'est dommage, doucement. hein. Le jeu est bien est fait, je dommage. trouve. Hein. Ouais, le jeu est très bien fait. Euh, ce que je vais faire, je vais plutôt ramasser un, un petit caillou par terre et euh, m'en servir pour taper euh, de façon très précise sur le bord, euh, sur un des, un des cordages pour euh, bah, ou finir d'ouvrir cette cage sur laquelle on galère depuis un moment. <laughs> tu, tu, tu prends un petit caillou et tu, tu lances ça sur du cordage. Ah, ah, mais je, Non, je m'en sers comme... Euh, <laughs> comme s'il a excoué. sur coupes. le point... Oui, oui. Ça, voilà. <laughs> Je voilà, pense que c'est un, ce oui. un peu plus crédible. et bien, écoute, pour cette champ. action, euh, pour cette action, je t'offre un avantage, tout simplement parce que justement euh, Nadine, qui avait commencé le travail, a fragilisé euh, l'endroit le, où euh, où elle a tapé. Donc, tu peux venir, toi, justement, maintenant que le, 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 la corde est un peu détendue sur la, à cause de la violence, du coup, tu peux essayer de, de cisailler, etc. Donc, ça va être, je pense, quelque chose de précis ça précise et la compétence et travaille euh, hein, je pense puisque tu, tu travailles le, le, la corde pour et donc l'avantage c'est que ça réussit sur 4 5 ou 6 4 5 ça. ou 6 je peux pas t'aider plus là Très hein. bien. <laughs> allez on y va on y croit 4. Yes. donc ça passe et tu as fait un 8 ça tu passe. as fait un 8 donc non ah. seulement tu arrives à couper euh, la corde, mais il se trouve que c'était la corde charnière qui tenait toute la cage, euh, et bien évidemment, donc tu as réussi à créer une entrée suffisamment grande pour que vous puissiez tous et toutes sortir. Et donc l'avantage que ça te donne, c'est que tu as réussi à libérer tout le monde sans que la créature ne le remarque. C'est l'avantage que je te donne. Donc on va dire que vous pouvez sortir par ce côté-là, secrètement. En fait, pour le moment, personne n'a vu ce qui se passe. Donc, je vous laisse déplacer vos tokens, voir si tout le monde a la main dessus. Mais théoriquement, oui. Alors moi, j'arrive pas à le sélectionner. Voilà. Hop. Tu n'y arrives pas Alors attends. Là, tu y arrives <laughs> Non, non, c'est pas moi qui bouger, là. Euh, Tiens, c'est bizarre. Pourtant, c'est toi qui as tu as la main dessus. Bon, on verra plus tard c'est pas, pas très grave tu, tu vas aller ici la cage elle a pas bougé elle est là clac vous êtes tous libres à l'extérieur de la cage par contre le caquari lui continue à se déchaîner sur la cage de dupin la cage de dupin vole en éclats et les deux animaux commencent à se battre porte heureusement dupin se met en boule littéralement et euh, l'armure de dupin est quand même extrêmement solide euh, tu sais de quoi je parle, nazin puisque ta peau euh, est de la, même, de la même matière, quoi. Et le combat, par contre, est ultra violent. Euh, Dupin ne se laisse pas faire, mais euh, vous voyez que clairement, Dupin n'a pas l'avantage. Le combat fait rage. Les deux animaux, euh, Voilà, vous avez le kakouri qui, qui se jette sur Dupin avec les serres, un peu comme un coq à essayer de, 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 de lacérer les écailles de, de Dupin. Euh, Dupin donne le change, hein, se, se défend tant bien que mal, mais est propulsé sur la cage du bas. Une cage qui, elle aussi, vole en éclat. Vous voyez euh, une créature que vous ne connaissiez pas, euh, qui s'en échappe. Euh, C'était la, la fameuse créature avec des... Des, des, des couinements insectoïdes. Euh, voilà, exactement. Et je ne trouve plus son illustration. Ici. Tac. Cette créature, oui. c'est un euh, axéchou. Axéchou. Okay. C'est une créature hein, qui euh, se cache dans le sable ou euh, dans, des, dans voilà, des, des, de la végétation, etc. qui, euh, euh, qui attrape euh, ses proies. Les approche de son abdomen et avec sa queue euh, crache du feu quoi. La, la, la rôtie sur place avant de la consommer. Euh, donc c'est une créature assez vicieuse, assez dégueulasse. Euh, et cette créature euh, est complètement libre. Et devant le combat qui fait rage, et eh ben elle se tire. Elle s'échappe. Euh, Liane, tu n'as pas joué toi encore. Qu'est-ce que tu fais Donc tout ça faut imaginer tout ça tout ça se passe très vite. Euh... Est-ce que euh, je vois nos armes quelque part ou pas non. du tout? Pas du tout. Okay. Euh, ben j'aimerais aider Doupin. Euh, okay. De quelle manière tu voudrais en... l'aider? Alors vu que la créature nous a pas vus, j'imagine que là elle fait face à Dupin. Donc j'aimerais genre la... Mmh. la contourner et essayer genre... Euh... Bah, vu que j'ai que ma pince avec ma pince de genre lui aller lui taper un peu dans, dans les plumes derrière pour attirer son attention et essayer de me barrer ensuite genre taper des plumes est-ce que a... toutes ces plumes sont en métal ou elle a des plumes moins métalliques a priori ou... non plus il y, a, il y a principalement sa queue le reste tu penses que c'est des plumes classiques euh, c'est très difficile à voir hein. tu la vois principalement de dos sa queue est re n'est euh, plus en n'est plus n'est plus développée quoi elle est revenue en traîne elle est, elle est au sol. Et d'ailleurs, la créature se sert beaucoup de sa traîne en plus de ses griffes pour donner des, des, des espèces de balayettes avec. Euh, et c'est ultra violent. C'est ultra violent. Oui. Doupin, vous voyez qu'elle se protège tant bien que mal. Elle prend vraiment très cher. Mais son épaisse carapace la protège relativement bien. Tu peux me faire bah, un jeu de, coup, de, euh... de coups et de puissants Enfin, comment tu t'y prends Ça peut être sur bah, moi aussi. Ouais, j'aurais plus aimé le faire soit de manière sournoise, soit essayer de viser un point précis, genre lui taper dans une patte pour essayer de la déséquilibrer ou quelque chose comme tu ça. Tu me dis, à ton choix. Plutôt que la force brute, parce que j'en ai pas, pour être honnête de okay. force. <laughs> Donc ouais... Alors si tu passes dans le dos, etc., de façon sneaky sneaky, ce serait plus du sournois, je pense. Ok. Et le coup, par contre, la compétence, ce serait coup, puisque tu, tu ouais. mets un coup, quoi. Bah, je vais le tenter en quand même, dans tous les cas, même si je rate, je prendrai l'agro au moins pour pas qu'elle tape du pain. Et je compte qu'on ma mieux derrière que je pour. Je euh... te pose, ok, tu vas en Pardon. concentration. Oui, pas oui, oui, problème. je sors pas le monstre dans tous les cas pour oh. l'instant. Tu t'approches, ça fonctionne. tu... pas bah, ouf, mais tu ça as... fonctionne. C'est pas ouf, non, clairement. Ce qui se passe, c'est que tu vas, tu vas arriver, tu vas lui mettre un, un coup. Euh, assez rapide, assez sournois, euh, peut-être euh, sur un, un flanc ou sur le, 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 le bas d'une patte, quelque chose comme ça. Euh, sauf que ben, le, le, le monstre en fait est en train de se battre. Déjà, il est très mobile. Ton coup euh, n'a pas tout son impact. Tu ne fais que, que, que les un petit peu. Euh, tu lui as fait des dégâts. Techniquement, la créature a perdu donc quelques points de dégâts. Mais en fait, ton coup n'est pas suffisamment puissant pour que la créature te juge euh, assez euh, euh, menaçant pour s'occuper de toi. Là, visiblement, Doupin euh, donne beaucoup plus le change que ton petit coup et euh, la créature ne s'occupe plus de toi. Et l'effet à ça, c'est que dans le combat, bien évidemment, le combat fait rage et une autre cage est explosée. Et vous voyez, cette créature, cette créature, c'est un beau tableau. Un beau tabou que voici. Squeak. Absolument, c'est le squeak quick. Donc c'est une créature qui à la base n'est pas très dangereuse. Euh, une créature qui a, qui a, qui a pris l'habitude de vivre dans les détritus, dans des endroits assez cachés. Une créature qui euh, n'est pas très courageuse, qui euh, préfère s'approcher sournoisement de ses victimes euh, et d'attendre vraiment le bon moment, un moment de faiblesse, ce genre de choses vraiment pour lui sauter dessus. Et okay. cette créature, une fois euh, libre. Eh ben elle décide de se tirer. Mmh. Il nous a pas vendu le profil de la créature très agressive et très courageuse. Hein. Oui, hein, ouais, ça, ça coule de source. <laughs> Ce qui se passe, c'est que le combat est ultra violent. Vous avez les braconniers qui sont tout autour, qui voient ça, euh, qui commencent à, à s'approcher pour essayer de faire quelque chose. Ils se font littéralement couper en deux parce que le cakwari une espèce de coup de traîne comme ça, une grosse balayette, et euh, de ces plumes euh, de métal coupantes comme des rasoirs, li littéralement, coupe euh, en un seul coup euh, plusieurs braconniers qui venaient essayer de, 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 faire, de faire quelque chose. Le combat fait rage. <laughs> vous êtes un peu effrayé par le spectacle, hein, je vous avais mentionné tout à l'heure. Euh, et, et ce qui se passe, c'est que euh, le combat se poursuit. Euh, Dupin s'enfuit. Elle n'arrive pas à voir le dessus. Elle est vraiment en, en situation de détresse prononcée. Elle prend la fuite euh, en prenant exemple sur les autres créatures. Et le Kakouari se met à lui courir après dans la forêt. Donc, Dupin se tire. Et le Kakouari lui court après. Dupin qui, visiblement, est peut-être un petit peu plus rapide quand même. Ce qui, euh, ce qui malgré la situation, pourrait peut-être vous rassurer et vous savez également que dupin a euh, une, euh, une carapace quand même qui est très costaud oui elle va euh, pas se faire manger vous... en deux secondes quoi non est-ce qu'on peut essayer de lancer un pieu tu sais genre, toujours le... les... les barreaux là il n'y a pas de là, gps pieu... sur le non ah, mais sur un javelot ai voilà merci sur le... sur le sur le sur le gros poulet là pas sûr du coup, pas sûr, c'est euh, ah, ce partie métal mais genre histoire de le picoter euh... Ça ça paraît compliqué, tu penses que même si tu aurais envie de le faire tu, tu, tu vois très bien en fait que l'action n'aura pas de conséquences euh, valables parce que mmh. bah, effectivement entre la queue le fait que ça bouge, le fait que vous êtes loin euh, tu n'auras pas suffisamment de force en fait pour que ton, ton attaque soit pertinente sans, sans, sans parler du fait que le Kakouris est en train de vraiment courir il faut imaginer mmh. une autruche en fait hein, qui court c'est quelque chose qui est quand même relativement rapide. Et euh, vous entendez donc Doupin qui euh, s'enfonce dans la jungle, euh, la végétation qui, 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 qui craque, qui, qui s'écarte en fait sur son passage. Et, euh, et le Kakwari qui a, a quelques difficultés quand même à, à suivre Doupin parce que ce n'est pas forcément son terrain de prédilection, euh, mais qui visiblement a faim euh, et, et cherche quand même à, la, à, le, à le suivre. Vous reprenez un petit peu vos esprits. Vous avez vu ça, c'était quand même... Un... Vous avez 3 trois, trois monstres pour le prix d'un. Euh, c'était quand même assez effrayant. Le kakuari vous a fait quand même une sale impression. Euh, vous prenez pleine conscience, en fait, de la dangerosité de cette créature. Non seulement de cette créature, mais vous savez à 100% que cette créature euh, est atteinte de frénésie. Et euh, en tant que naturon, vous savez aussi que ce genre de créature n'a pas sa place... Euh, dans la nature, en fait, la situation se calme. Vous reprenez un petit peu vos esprits. Euh, la végétation, voilà le, le, le bruit de la forêt normal petit à petit revient. Les petits oiseaux, euh, des petits trucs dans les, dans, les, dans les broussailles, ça revient. Et ce que vous entendez, c'est euh, également un ascenseur, un ascenseur qui descend provenant du village qu'il y avait justement au-dessus de vos têtes. Cet ascenseur descend, vous avez un un individu sec une tête de fouine, alors quand j'ai une tête de fouine, c'est pas vraiment l'animal hein, c'est pas un naturon, c'est vraiment ouais. quelqu'un qui vous... <laughs> qui a vraiment voilà, une tête un peu euh, voilà, un peu fourbe, un peu sournois, voilà, vraiment le, preuve, le stéréotype même de la personne à qui on peut pas faire confiance. Vous voyez cet individu là qui est euh, au devant euh, de cet ascenseur. Juste derrière cet euh, individu, vous avez une femme euh, d'âge très mûr, des euh, les grosses cernes sous les yeux, noirs. une femme euh, relativement grande pour son âge avancé, qui se tient assez fière, euh, qui se tient donc derrière cette silhouette. Et à ses côtés, derrière, vous avez deux, trois villageois euh, en armes, lourds. Euh, et un autre derrière hein, qui, qui traîne un sac euh, vraiment très lourd. L'ascenseur descend, les gens vous voient, vous les voyez, il hein, y a un échange de regards. Et ce qui se passe, c'est qu'avant que l'ascenseur n'arrive au sol, la vieille femme pousse l'individu euh, à tête de fouine hors de l'ascenseur. La... Cet individu tombe au sol, hein, s'explose contre le sol sans mourir, hein. c'est pas non plus très haut, mais prend quand même... fait quand même une très belle chute hein, devant euh, des contrebandiers qui sont encore là et euh, qui ne sont pas encore morts. Euh, voilà ça. Euh, cet individu voilà, se lève péniblement, il s'est fait mal au bras, voilà, la chute a été quand même assez, assez costaud. Et, euh, et vous voyez cette, cette vieille femme euh, qui, euh, qui avance. Euh, et qui, euh, qui euh, vous l'entendez dire, « Regardez Regardez ce que vous avez fait Jamais j'aurais dû vous laisser approcher de mon village Partez, immédiatement !» Et vous voyez donc euh, Clé, vous le reconnaissez, c'est le chef des braconniers, qui se relève, euh, se, se, ses poussettes, euh, voit que, euh, que toutes les créatures euh, sont, se sont tirées, vous jette un regard noir, vraiment mauvais, mais ne demande pas son reste, et euh, il fait venez les gars on s'en va mais on aura notre revanche vous voyez un petit peu les, les, la voix de, des méchants dans Nicky Larson on est un petit peu dans ce délire là quoi hein. <laughs> et je suis, pas... je me suis dit, tellement ouais, c'est ça vraiment... clé s'en va avec euh, deux trois braconniers qui restent laissant les corps de ces, des autres braconniers en plein milieu hein, aucun problème et ils s'en vont l'ascenseur arrive au sol et vous voyez cette femme euh, d'âge mature hein, qui, euh, qui avance qui euh, vous regarde un regard euh, pas sévère mais, mais, mais euh, vraiment déterminé qui observe la situation et qui s'avance vers vous de façon euh, motivée mais pacifique elle s'avance elle est accompagnée de villageois euh, qui sont armés eux euh, d'un autre villageois qui traîne un gros sac. Il a toutes les difficultés du monde à le traîner. Et... Euh, elle Ça prend arme. la parole. Je... suis absolument désolé euh, par ce qui vient de se passer. Euh, nous ne traitons pas avec les braconniers et nous ne savions pas que... Euh, que vous étiez là. Euh, cet individu euh, a sollicité... Euh, une entrevue avec nous, il nous a dit qu'il avait hein, de larche à, à vendre. Euh, il voulait des vivres, hein, des provisions. Euh, nous avons trouvé ça au début euh, étrange de voir euh, les armes des Naturons en vente comme ça, même si ça arrive. Le fait qu'il en ait autant nous a fait un petit peu douter. Et c'est ma faute, je n'ai peut-être pas été suffisamment réactive. Le temps que je comprenne en fait hein, ce qui se passait, je... J'ai entendu euh, les animaux, les créatures, les monstres euh, qui ont brisé leur cage. Nous avons vu tout ce qui s'est passé euh, du haut du village. Nous n'avons pas pu intervenir. Nous ne pouvons pas intervenir face à des monstres euh, comme ça. Et euh, vous voyez qu'elle se tourne, elle fait un petit, un petit, un petit regard. À un villageois arrive, euh, pardon, un villageois pardon, arrive, celui qui traînait un, un gros sac. Et euh, il ne le soulève pas, mais en fait il se contente de l'ouvrir. Et vous voyez qu'effectivement vos armes euh, se trouvent à l'intérieur de ce sac. La chef euh, du village, vous supposez que c'est la chef euh, du village, vous dit, euh, considérez ça comme euh, une preuve de bonne foi. Euh, je vous en prie, euh, récupérez vos armes. Je me nomme Tinkwa et je suis la doyenne de ce village et au nom de mon peuple je vous prie de bien vouloir accepter nos excuses même si nous ne sommes pas l'initiative de votre capture. Ouais, moi je vais récupérer mon chalumeau. Ouais ouais. Donc voilà le gars ouvre le sac ce se recule il il oppose aucune résistance quoi. Ou les faire quelque okay, chose okay, okay. particulier ou pour euh, récupérer vos armes, bien évidemment, bah, déjà, déjà récupérer mes armes. Et alors, quand je dis vos armes, il y a l'ensemble de votre équipement, c'est-à-dire qu'il y a aussi vos vivres. Ouais. Euh, ouais. Il y a, voilà, vous okay. récupérez ce que vous avez sur votre fiche de personnage. Quoi. Ok, je m'assure qu'il ne oh. manque oh. rien, il ne manque rien. Tout est là. Très bien. <coughs> ben, euh, puisque ce n'est pas vous qui nous avez capturés, on, personnellement, je n'ai pas particulièrement de grève contre vous. Euh, néanmoins, faites attention à où vous achetez euh, vos trucs la prochaine fois. Comprenez bien que nous, <laughs> euh, nous ne pouvions pas le savoir. Euh, cet individu a sollicité euh, une entrevue. Euh, on leur a dit que les animaux n'étaient pas autorisés dans le village, hein, suspendus bien évidemment. On s'est tout simplement contenté de le faire euh, monter dans le village. Il nous a proposé sa marchandise. Nous ne savions pas ce qu'il avait à nous proposer avant de la découvrir. Euh, donc, euh, effectivement, euh, je, je comprends le désagrément, mais, euh, mais nous n'y sommes, euh, sommes pour rien. D'ailleurs, en bonne Retenez. foi, nous vous restituons vos armes. Nous aurions pu tout aussi bien les garder et ne pas descendre du village et vous laisser euh, à votre sort. Ah j'espère bon, euh... que... moi je moi je, je... je comprends, je... Je, veux bien... je, veux bien... je veux bien entendre que c'est pas votre faute on va on va se débrouiller hein mmh. ouais, ouais. Euh, je me dis que c'était leur faute hein. Faut... et... il y avait oui. quand même des animaux en cage mais bon ouais. non, mais re re retenez son nom et faites plus affaire avec lui et puis ça ira quoi ne vous inquiétez pas, il sera dorénavant interdit de séjour dans notre village. En revanche, et malgré la situation, je suis vraiment désolé de devoir vous demander ça, mais nous aurions besoin de vos services. Ces créatures, ou en tout cas au moins l'une d'elles, de ce qu'on a pu comprendre, représentent véritablement un gros danger pour notre village. Euh, avoir cette créature dans la nature va, va nous, nous empêcher de, de cueillir, de chasser, euh, de quitter notre village, de rallier les autres villages pour commercer. Euh, nos villageois ne pourront pas sortir de ce village en, en sécurité et, euh, et nous, 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 nous aurions besoin de, de vos services pour, pour vous en occuper. Euh, malheureusement, voilà, nous n'avons pas grand-chose à vous offrir. Euh, mais ce qu'on peut vous offrir, c'est que euh, si vous nous débarrassez de, de cette créature, vous serez euh, toujours les bienvenus dans notre village, et euh, nous aurons toujours de quoi vous héberger euh, et vous euh, et vous nourrir euh, lorsque vous, vous serez de passage. Et si on vous aide aussi, vous pourrez euh, arrêter de recevoir des gens qui enferment des animaux dans des grosses cages, pas juste des, des, des nous ouais, Absolument. De toute façon, nous ne commerçons pas, nous n'avons aucun intérêt d'acheter des monstres. Ces cages ne nous étaient pas destinées. La seule chose que, que cet individu se ce fourbe, cet imbécile a voulu nous vendre, c'est ce bah, de l'arche acier. Donc le métal de vos armes, voilà, c'est effectivement un métal qui nous intéresse, hein, qui nous permettrait de construire certaines choses très solides. M'a dit, on dirait qu'elle joue à la marionnette, tu sais. <laughs> ah bon, euh, je veux dire, bon, quand vous voyez des cages comme ça avec des monstres dedans, la prochaine fois, vous leur dites non, pas de ça ici, pas bien, voilà. Il faut être ferme avec ces gens-là. Absolument. Rassurez-vous. Pas hyper à l'aise de parler avec quand même. Ça n'arrivera no... plus. Oui, tu t'adresses quand même à une femme assez vieille, hein, quand même. Hein. Oui, euh... oui j'ai quelqu'un d'ascenseur. Moi, elle me fait un peu peur. Ah, oui, ouais, effectivement, en fait, c est... C est... elle a vraiment un look un peu de vieille sorcière, tu vois, la... la peau un peu fripée, tout ça, mais des grosses cernes noires sous les yeux. Une femme très, très mince, hein, très sèche, euh, relativement grande, vraiment avec des, des doigts très, très fins. Euh pas crochue, mais, mais, mais par contre, elle dégage une espèce d'aura, de, de, de charisme. Vous voyez que elle, est, elle est obéie au doigt et à l'œil par les villageois qui, qui la suivent. Et, et pourtant, elle s'adresse à vous, alors pas de façon douce, mais de façon respectueuse. Non, mais de toute façon, ça a l'air d'être un monstre atteint de, de frénésie. donc C'est mmh. notre rôle de nous en occuper. Ouais, Et puis, Dupin, en plus. Oui, en plus euh, on t'a sauver Doupin. Mais euh, qui ah. qui euh, qui est Doupin C'est l'un de vos amis Oui. Hmm. Je comprends. Le... Euh, vous l'avez vu, il était là tout à l'heure. Oui, c'était la Mamoudo. Alors, tu... vous voyez qu'elle marque un temps d'arrêt. Clairement, enfin, vous voyez clairement qu'elle est surprise. Et puis vous voyez qu'elle vous regarde et que voilà, elle reprend conscience que vous êtes des Naturons. Je veux dire, ça se voit, physiquement déjà, voilà, ça se voit. Elle prend conscience que vous êtes des Naturons et qu'effectivement, les Naturons ont une, une relation quand même assez particulière avec les créatures et avec les monstres. Elle ne fait aucun commentaire, et elle vous dit dans ce cas, je, je vous souhaite bonne chance pour retrouver votre ami, en espérant qu'il ne lui arrive rien de fâcheux et euh, je vous remercie par avance de, de bien vouloir vous occuper cette créature lorsque ce sera fait hein, si vous pouviez nous, bah nous prévenir tout simplement qu'on sache si on, peut, si on peut quitter le village de façon sécuritaire il tiendra informé. Vous avez, euh, vous avez déjà vu les créatures les, vous, vous les avez vues euh, partir les euh... Les bestioles oui vous on les vu a à euh... partir dans la forêt effectivement ouais. euh... est ce que euh... est ce que c'est des besties est ce que c'est des créatures que vous avez l'habitude de que vous avez déjà vu dans le euh... pas pas ici non euh, maintenant dans les régions voisines c'est euh... C'est déjà arrivé, oui, qu'on qu qu croise euh, le beau tabou ou, euh, ou depuis quelque temps, effectivement, euh, l'Axéchou. Putain, j'ai du mal. Axéchou. Axéchou, voilà. ok. C'est Com compliqué à dire. Euh, oui, oui, ça, effectivement, on en a déjà croisé dans les, dans les régions avoisinantes. Euh, en revanche, le Kakwari, euh, si nous savons ce que c'est, euh, il n'y en a pas vraiment de, dans, dans cette partie de la forêt. Ok. Ok. C'est ce qui nous inquiète d'ailleurs. Non, mais vous inquiétez pas, hmm. on va gérer, on va s'en occuper. Très bien. Après les filles, tout à fait. Et... C'est comme si c'était fait. Ah, que c'est chou. Euh... Oh, c'est une bonne façon mémotechnique à ranitage la note, merci. C'est chou. Euh... Ouais, c'est pas chou du tout, mais, euh, mais je vais le retenir maintenant. Si, ça va. Ah, L'araignée, elle est dégueulasse, hein, franchement. <laughs> J'aime bien les monstres, moi, de base. Je les trouve un peu mignons parfois. Vu que c'est okay. un, un truc un peu scorpion, ça va. C'est vrai que les derniers, c'est dégueulasse. Mais... <laughs> elle était faite pour être naturelle. Non <laughs> ouais. Donc, du coup, voilà, vous avez la, la doyenne de ce village qui, qui vous remercie encore une fois, qui vous rend l'ensemble de votre équipement, qui vous promet gîte et couvert euh, à volonté, en fait, hein, si, si vous. Euh... Euh, vous débarrasser de, de cette créature, et euh, à moins que vous ayez besoin euh, de plus de renseignements ou d'aide, euh, elle va se diriger vers cette espèce d'ascenseur, un hein, d'élévateur, fait de poulies et de cordages avec un, un système très ingénieux de contrepoids, et, euh, et donc elle va retourner avec les villageois dans, sa, dans son village, en fait, euh, suspendu. Vous Oui. Vous êtes donc euh, dans cette je ce vous, forêt. Je sais pas ce que, ouais. que vous en pensez les autres, mais euh, on n'a pas besoin d'autres euh, outils ou d'aides supplémentaires, on va s'en sortir euh, tous les quatre. Oui. Ouais. Oui, non, là on oui. va aller, on va on va poursuivre le poulet là et on va sauver Dupin. Hein. Et ensuite on mangera oui. le poulet. Oui. oui. Ok. Très bien. Ça me paraît être un bon plan. Donc, euh, vous allez vous mettre en route à la poursuite du Kakwari. Alors, ce qu'on qu vient de jouer là, c'est ce qu'on appelle la phase de jeu libre. Il n'y a pas de mécanique ou d'enjeu particulier, vous jouez, c'est l'histoire en fait qui se passe, etc. Là, maintenant, on va arriver sur la première phase euh, de jeu, c'est ce qu'on appelle la chasse. Votre but, c'est de vous mettre en chasse pour retrouver le Kakwari. Dans la version complète du livre. Euh, de base euh, de <laughs> euh, wilderfist. je suppose que sur la carte vous aurez des espèces d'hexagones avec différentes régions et euh, vous pourrez vous balader en fait de région en, en région justement pour, pour retrouver les, les, les traces de, de, de vos proies. Euh, là ce soir ce ne sera pas le cas. ce sera un petit, peu, un petit peu scripté. mais euh, voilà on, on arrive dans une nouvelle phase donc c'est la phase de chasse, de la phase de track. Comment ça se passe la phase de track Je vous mets une petite tête de jeu ici. Vous avez plusieurs choix. Soit vous vous ravitaillez, euh, vous vous posez, vous allez récolter des trucs, euh, etc. Vous pouvez camper aussi. C'est la phase un petit peu de repos euh, pour euh, retrouver des, des, des points de vie, pour euh, restaurer euh, des états, sauf si vous êtes blessé ou discordant. Euh, là ça ne marche pas, mais sinon... L'état effrayé, par exemple, je ne vous l'ai pas mis parce que vous n'êtes pas effrayé, mais vous auriez pu subir l'état effrayé du caquari. Et donc, voilà, faire un petit feu de camp, ça permet de, de supprimer un peu tous ces états et de, de récupérer. Vous, vous êtes encore en bonne santé. Mais par contre, vous pouvez récolter. Ou alors, vous pouvez décider d'avancer, c'est-à-dire euh, bah, commencer la traque et, et gagner du terrain. Pour ce faire, il y a différentes étapes. Donc, avant d'en arriver là, vous me dites ce que vous euh, préférez faire. Est-ce qu'on commencerait pas par récolter pour euh, prendre des, des provisions pour le, le chemin ou, euh... On peut en soi. Après, si on est en assez bonne santé. Dans tous les cas, on va devoir faire ça plusieurs fois, j'imagine. On va devoir Absolument. pas au bout d'une seule avancée qu'on va le trouver. Alors, mécaniquement, comment ça se passe euh, Là, vous êtes en train de voyager, c'est une traque. Donc, vous allez passer de région en région, d'accord, hein, jusqu'à trouver euh, le Kakwari. Euh, dans tous les cas, que vous réussissiez vos jets ou pas, votre meute va quand même avancer. C'est-à-dire que même si vous faites que des, des, des échecs ou quoi, ça ne veut pas dire que votre, votre meute va se paumer dans la forêt et va être bloquée et où il va falloir faire des jets en continu jusqu'à ce que vous arriviez à sortir. Le jeu ne marche pas comme ça. Le jeu, euh, vous avancez, quoi qu'il arrive, vous arriverez à sortir de la forêt, à sortir du territoire. Par contre, le, la région en elle-même est un personnage à part entière. Il y a euh, des menaces, il y a des objets et euh, la région a un comportement global. Il y a des événements et donc selon les jets que vous allez faire, la région va ré va réagir en conséquence, en fait, d'accord Donc pour le moment, euh, je vous en dis pas plus. Vous me dites soit vous récoltez, soit vous avancez, mais c'est l'un ou l'autre. Sachant que euh... non, c'est tout. Je vous en dis pas plus. Pour le moment, c'est tout. Qu'est-ce que vous faites Moi, je suis pour, pour commencer à avancer. Ok. Ouais, vu qu'on est en bonne santé. Ouais. ouais. Oui, vas-y, Liane. Qu'est-ce que tu en penses Toi, tu Vu qu'on est en bonne ou santé, ou ouais, je pense que c'est bien d'avancer d'abord. Vu que dans tous les cas, sera ravitailler, il y a le campement ensuite qui nous Alors, permet. C'est pas de... obligé. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Vous pouvez juste récolter. Oui. Et poursuivre votre voyage après. En fait, euh, ce voyage va être, va, va être déterminé en nombre de rounds. D'accord Vous allez avoir chaque round que vous passez à faire des choses, c'est du, du, du temps qui passe, en fait. D'accord Donc, euh, je, vais, alors je vais vous le dire quand même, parce que c'est un one-shot on va y aller quand même un peu tranquille. Euh, hop, regardez. Un quelqu'un, token. Hop, voilà. Vous avez une horloge. Et euh, c'est suivre le caquari. Si cette horloge arrive à 4 tics, vous perdez le caquari. D'accord Ok. Et chaque action, genre se ravitailler ou avancer, un ça... Chaque round est un tick. Ok. D'accord mais voilà. est-ce que se ravitailler les deux étapes, ça compte pour un round et avancer toutes les étapes pour un round Se ravitailler, c'est un round okay. et euh, voyager, c'est un round supplémentaire par euh, région. Et donc, okay. les okay. éléments que je vous donnerai sur est-ce que le monstre est loin, est-ce qu'il est à côté, etc., va dépendre de votre voyage dans la région. Il y aura des conséquences à ce que vous allez faire. Ok. okay. Euh, moi, j'ai une question. Les... Du coup, récolter nous permet de, récol... de récupérer des, in... des portions d'ingrédients. Euh, oui. Est-ce que c'est important, ces ingrédients Parce Alors, euh... c'est capital dans Je le jeu. Alors, les ingrédients fonctionnent de plusieurs manières. Les ingrédients, c'est ce qui vous permet de cuisiner, en fait. Et la cuisine est une notion euh, intéressante dans ce jeu, puisqu'il y a plusieurs euh, façons de cuisiner. Il euh, y a euh, se faire des petits encas. Comme ça, le petit sandwich hop, pour la route, et vous pouvez grignoter de temps en temps. Et selon ce que vous cuisinez, il y a des, 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 enfin, des, des ingrédients qui peuvent vous donner des bonus. Euh, bonus de compétences, bonus de style, bonus de traits, euh, peut-être. Mais euh, ce genre d'ingrédients, voilà, vous le saurez que selon ce que vous trouvez. Vous faites avec ce que vous trouvez, en fait, et c'est à vous de décider ce que vous en faites comme recette vous êtes complètement libre d'inventer les recettes de cuisine que vous le souhaitez sachant qu que vous ça pouvez dépend mettre des régions absolument ce que vous trouvez non seulement ça dépend des régions mais ça dépend aussi de votre approche si vous me dites je cherche des ingrédients avec puissant euh, vous allez obtenir un certain type d'ingrédients que vous n'aurez pas si vous décidez de chercher avec précis ce seront des ingrédients différents peu importe le style, vous allez trouver des ingrédients, mais ce seront des ingrédients différents selon le style que vous utilisez. Ah, mais là, on va vouloir collectionner tous les ingrédients, là. C'est euh, le... <laughs> intéressant. Un, un, c est, c est intéressant. Sachant que, en fait, quand vous, avez, quand vous faites la cuisine, mais on y reviendra au moment où vous déciderez peut-être de cuisiner, euh, vous pouvez mettre autant d'ingrédients que vous souhaitez euh, dans le repas que vous voulez manger. Et chaque ingrédient que vous mettez, c'est un point de vigueur en plus. Les vigueurs, c'est les points de vie. Un ingrédient, okay. un point de vie. Vous en mettez 36, c'est 36 points de vie. D'accord Donc, plus vous mettez mmh. d'ingrédients, plus c'est intéressant. Par contre, les ingrédients qui donnent des effets, euh, si vous avez 36 ingrédients qui donnent des effets différents, vous n'aurez pas les 36 en même temps. Il faudra en choisir un et il sera plus ou moins fort selon l'ingrédient identique que vous allez mettre. D'accord Donc il okay. y a tout un tas de mécaniques. Mais pour l'instant, vous n'avez pas grand chose comme ingrédient, donc vous ne pouvez pas savoir. Ok, très bien. Après, du coup, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, dans tous les cas, vu que là on est en pleine forme, avancer et faire de la recherche et un camp quand on sera un peu abîmé, si jamais on a des galères sur la route, etc. pour moins on perdre pas de temps On peut faire des en même temps que le camp, donc dans tous les cas ça revient même. Si, on la pourra si faire, faire des recherches le... en même temps que le camp. Non, c'est soit ouais. on fait une recherche, soit on fait le camp en fait. Oui. C'est pas, pas... Un étape 1 puis étape 2 euh... C'est pas d'abord euh... on recherche, on récolte et ensuite on monte le camp pas forcément vous n'êtes pas obligé après je sais à vérifier dans les règles je suis pas sûr tu me mets le doute mais euh... bah, ouais si étape 1 et étape 2 remarque ça aurait du sens vu qu'il y a étape 1 puis 2 oui. je pense que c'est dans ce sens là non ouais mais parce je, que je pense que si vous récoltez et que vous campez je pense quand même que c'est deux rounds différents parce que camper ça prend quand même du temps temporellement tem... au niveau de temporel ça prend mais du coup avancer ça prend quatre rounds vu qu'il y a quatre non, étapes non, non, avancer, c'est un round, mais les quatre étapes, c'est effectivement à, à faire dans, dans l'ordre. Donc, on peut dire que c'est un round à chaque fois pour le besoin de, de, de l'actual play, mais je me renseignerai sur, sur les, les règles. Mais en gros, c'est soit avancer, soit te, tu, te tu te ravitailles. Je pense que c'est ça, quand même. Et du coup, se ravitailler, c'est les deux étapes, donc récolter ouais. puis camper. Donc, autant le faire quand on sera un, un peu, genre, mal, un peu quoi, fatigué, ou qu'il ouais. faudra vraiment des trucs. Ouais. Mmh. Priori, on ne pas perdre on un oui. on, avance. Mmh. En scale, on avance. Ok. Très bien. Alors, pour avancer, on va désigner un éclaireur parmi vous trois. Donc, euh, l'éclaireur, euh, donc en fait, voilà, avancer d'une région, ça représente un défi. Un défi, ça va être un seuil à atteindre. Donc là, par exemple, ça va être 20. Il va vous falloir, en un seul round, cumuler 20 points d'action total pour votre meute, pour pouvoir voyager sans encombre. C'est-à-dire que en un round, vous allez tous jouer une fois et la totalité de vos points d'action doit faire 20 ou plus. D'accord Ok. Avant d'en arriver là, on va choisir un éclaireur. Donc c'est l'un d'entre vous qui va devenir l'éclaireur. Donc on est à l'étape 2, à s'orienter. L'éclaireur va euh, effectuer une traversée et en cas de succès, euh, donc il va faire progresser le groupe dans la forêt, et euh, il va donner un avantage euh, aux autres joueurs qui ne sont pas éclaireurs. Et si vous utilisez le même style que lui, euh, vous aurez un avantage. Sinon, s'il si rate, vous aurez à la place un désavantage sur ce style. Donc on va faire. Une... Là, c'est un coup pour rien. Euh, on va le faire, parce que c'est une région qui n'est pas très très euh, menaçante. C'est un petit peu un coup pour rien, mais c'est le tuto. Qui veut devenir l'éclaireur Est-ce que, est que bon quelqu'un l'a traversé mais d'accord, peut... euh, c'est de la recherche, la traversée. Euh... Bah non, la traversée, c'est la traversée, c'est la, la traversée, c'est court. D'accord. Ah oui, c'est donc... ouais, la... c'est une compétence. <coughs> d'accord. Okay, Moi, j'ai pas, de... pas de traversée. Ok. J'en ai euh... pas non plus. Je ne pas la personne, la meilleure personne en a. J'en <laughs> <laughs> <On> ai <laughs> pas non plus, mais du coup, je veux bien tenter quand même. Hein. Ok. Alors, tenter, effectivement, euh, euh, les, les, les éclaireurs de prédilection sont les prétirés que vous n'avez pas choisis, effectivement. Du Moustique, ouais. tu te lances en éclaireuse. Très bien. Tu clair. vas me faire donc un jet de traversée et euh, tu vas me, tu vas choisir un style. Tu vas m'expliquer un petit peu comment tu traverses. Donc, il faut, faut imaginer, tu es dans une, dans une forêt assez dense, un peu jungle, euh, donc avec pas mal de végétation. Voilà, comment tu comment tu traverses euh, Mon intuition première serait été de euh... J'aurais voulu être rapide pour essayer de euh, rattraper euh, rapidement, euh, de ne pas perdre de temps pour rattraper euh, mmh. Doupain et euh, le caquari. Mmh. Euh, donc j'aurais bien partir là-dessus. Et euh, ça voudrait dire euh, peut-être essayer d'avancer vite, paf, du coup au détriment de la discrétion. Je sais que je vais faire mmh. euh, du bruit. Je okay. sais que euh, mais euh, tu vois je vais essayer peut-être mmh. de la de, 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 ouais, de Tu ouais, fais voilà, du parcours, quoi tu te dépêches. Très bien. Donc tu vas je me je... faire un jet de, euh, de rapide et traverser, ouais. s'il te plaît. Très bien. Et euh, je le fais en me concentrant. Très bien. J'ai 3 dés, j'espère que ça va passer. Tu as un 5, ça passe. Ça passe. Tu as ouais, fait 2 sur ton mais... dé d'action. Donc tu fais progresser oui. le compteur de 2. Donc vous êtes à 2 sur 20. Euh, donc voilà, tu progresses. Hein, tu n'es pas très euh, discrète. Euh, mais euh, voilà, tu avances quand même. Tu repères un petit peu le passage, etc. Donc ça va donner un avantage à toute la meute. Euh, qui si euh, vous utilisez euh, Rapide. Du coup, toutes les personnes qui vont utiliser Rapide maintenant. Auront un avantage, donc sur 4, 5 ou 6, c'est une réussite. Donc là, on est à la top 3. Donc tous les autres, vous allez tous me faire un G en me disant, en m'expliquant quel euh, style vous utilisez. Parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser rapide. Hein, c'est pas parce qu'il y a un avantage sur rapide que vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez utiliser autre chose. Ça reset d'ailleurs, euh, du coup, les styles qu'on avait utilisés pour toute la. Tout phase... à fait. C'est une scène différente, euh, bien oui. sûr. Par okay. contre, effectivement, s'il euh, si y en a un qui se rate, les autres ne pourront pas utiliser le même style. Vous êtes une meute. Okay. Alors, qui veut se lancer Vous... Faut que je choisisse, c'est ça hein. Allez, Scarlet, ah, vas-y. Prix. Comment tu y vas, toi euh... Tu vas en rapide, en puissant <coughs> en... Alors, moi, la rapidité, c'est pas du tout mon truc. Donc okay. euh, je vais plutôt y aller euh, de façon puissante en essayant vraiment de, de filer droit. Euh, ouais, t'écartes la végétation, euh, tu coupes tu trucs, les trucs. Ça, ouais. Ok. C'est ça, très bien. C'est parfait, j'ai de quoi couper. Et eh bien so, tu me fais vois, un jeu... G... C'est ça. ça. <rire> <rire> donc tu fais puissant Pardon. et euh, traverser Voilà, alors malheureusement je n'ai pas de traversé, donc ce sera juste puissant, il y en a un qui passe. Il y en a un qui passe. Donc, c'est une réussite. Vous avez... Tu avances de 4, ça fait 6 sur 20. Euh... Tu progresses. Euh, effectivement, tu tapes les lianes. Tu avances. Euh... Tout se passe bien. Vous avez une production plutôt correcte. Euh... À toi, euh, Nadine. Comment tu vas, toi bah, La puissance aussi. On va suivre le magnifique exemple de prix. Sauf que, bon, euh, Nadine, elle n'a pas un coupe-coupe. Elle a une poêle géante. Donc. Euh... Elle, elle repousse plus sur les côtés quoi, mais elle peut pas vraiment couper euh, par contre c'est bien les écailles ça c'est est bien contre les ronces et compagnie <laughs> alors okay. euh... pardon excuse moi j'avais pas fermé mm -hmm. ce truc là j'ai bugué <laughs> c'est tout concentré c'est ça c'est la même chose que... si, si okay. tu, si je, tu je disais pas ça. Ouais. Ouais. ok ça marche Eh bien, tu as... C'est un très très beau jet, puisque tu as deux oh. réussites, plus un magnifique 8. Est-ce que tu as des points oui. à traverser, toi Non. Tu n'as pas de points. Donc, en fait, ta réussite supplémentaire, tu as le choix. Soit ton 8 devient un 9, ce qui vous permet d'avancer encore plus vite, soit tu obtiens un élément euh, descriptif, tu as une info en, en supplémentaire, je te, je te donne quelque chose euh, à la place. Tu choisis. Hmm. Ah, les, les... la meute se débrouille très bien pour avancer, donc on va prendre un petit, peu de... un, un petit peu plus de savoir sur ce qui se passe autour de nous et où on est. Je, que... je, te, je te donnerai ça donc un, un tout petit peu après, mais je le note. Donc effectivement, tu avances de 8. Donc vous êtes à 8 et 4, 12 et un 13. Vous êtes à 13 sur 20. Ce qui est plutôt chouette, c'est pas mal. C'est oui, pas mal. Oui, oui. Est-ce que tu sens la pression, Liane sur ton prochain. Un peu, jeu. ouais. Il faut que je fasse 7, quoi, en gros. C'est 7 ou 8. Absolument, 7 ou 8. Euh, si tu utilises euh, rapide, euh, tu as un avantage. Ouais, ouais, mais alors je suis pas très, très rapide non plus, donc euh, je te sens pas très, très bien. Ok, c'est pas obligé. Hein, tu... Ouais, je pense que je vais essayer d'avancer, genre, euh, en étant précise, donc en vérifiant bien euh, là où je mets les pieds, tu sais. Peut-être pour laisser moins de traces, éventuellement, au cas où. D'accord pour vérifier okay. où on met les pieds, pour être sûr de ne pas glisser une caméra là. Très bien. En me concentrant. Du coup. Ok. Tu te concentres Et ou tu okay. lâches la bête Non, non, en me concentrant. Ouais. Très bien. Et euh, puis voilà, puis on va tenter le coup. Eh bah ben écoute. Bon, le 8 passe, mais mon action non. T'as pas de, de point à traverser Non. Euh, ok. Euh, si tu le souhaites, Nadine, ton un élément descriptif ou quoi, ça pourrait être que tu as trouvé un passage euh, plus simple en fait pour progresser dans la forêt et donc euh, ça permettrait de, de faire passer euh, ce G. Euh, elle aurait un avantage en fait sur son G et on pourrait euh, voilà mécaniquement on, on peut le noter comme ça quoi. Mais euh, c'est magnifique parce que si Nadine avait le choix, en plus, étant donné que Liane l'a aidé à élever Doupin, euh, Nadine dirait <laughs> tout à fait oui. Donc, euh, on va dire oui. Merci de m'aider. <laughs> tout pour Doupin, on va la retrouver. C'est un succès. C'est un succès. Vous avancez, vous progressez très, très bien. Donc, vous quittez euh, la jungle euh, environnant du, 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 euh, du village et vous vous enfoncez vers euh, une autre un autre région, puisque vous avez découvert des traces. Vous avez retrouvé la piste du Kakwari. Euh, et c'est important, parce que euh, ce que vous pouvez voir, euh, c'est qu'il y a des traces qui sont euh, anciennes. Alors, mécaniquement ancienne, ça veut dire que la créature est à au moins euh, deux régions de là où vous êtes. D'accord okay. Mais qu'elle est passée par là. Donc c'est une trace qui est intéressante. Deux avancées, euh, en gros Non, c'est pas le nombre d'avancées. Ouais, elle a deux avancées, elle a deux régions d'avance par rapport à vous, ouais. effectivement. Mmh. Euh, autre chose que vous voyez, c'est que euh, au niveau des traces que vous suivez, euh, vous observez un petit peu par terre et vous voyez qu'il y a des écailles. Il a des écailles de mamoudo, en fait, qui sont encore humides de sang, qui jonchent le sol. Euh, vous voyez de longues entailles sur euh, leurs bords qui suggèrent qu'elles ont été euh, arrachées par les, euh, les griffes de métal du caquari. Euh, euh, donc voilà, il faut imaginer quand même, c'est une pagaille d'empreintes. Euh, mais euh, vous arrivez non. à conclure que Dupin euh, a réussi à s'enfuir. Euh, au niveau des traces, vous pensez qu'elle a réussi à s'enfuir, mais que euh, Doupin est blessé. On va vraiment le cuire, hein, lui. Hein. Doupin. Ça Non, non, <laughs> non pas Doupin le caca. <laughs> Et je vais vous mettre une deuxième horloge, du coup, que euh, voici, euh, que je n'arrive pas à vous montrer. Attendez un instant. Hop, c'est une horloge euh, en quatre euh, segments, elle aussi, euh, qui représente les degrés de blessure de Doupin. C'est-à-dire que quand cette horloge sera complète, selon ce que vous faites, Dupin prendra une nouvelle blessure. Oh, non. Eh ouais. Ok. À, à Donc gauche, là, c'est. Si on perd le Kakwari, ouais. à droite, c'est Dupin Exactement. Okay. Alors, euh, mécaniquement. Vous suis... allez dire 4, elle était mangée par le Kakwari. Oui, à 4, ouais. elle était morte. <laughs> non, non, non. C'est quand même un monstre assez solide avec une belle armure. Alors mécaniquement, ça veut dire quoi Ça veut dire que là, ce que vous venez de faire, c'est le tuto. D'accord Le voyage dans la jungle, il n'y a aucune incidence. Je vous le dis maintenant, mais que vous, que vous arriviez à faire ou pas le G de voyage, il ne se serait rien passé parce que la jungle est euh, plutôt amicale avec vous. Là, le voyage commence vraiment. C'est-à-dire que vous allez changer de région. D'accord Et vous allez arriver dans le bois noueux. Donc je vais vous changer de carte. Euh... Voilà. Vous êtes ici. Wow. C'est beau, hein Je vais vous faire le... Tac. Ouais. Donc le, le bois noueux, en fin de compte, euh, c'est un. Je vais prendre un petit peu de flotte vite fait. Hop. Donc le, le bois noueux en fait c'est un territoire qui s'endort en fait au rythme des saisons au rythme de la moisson euh, durant la saison chaude et humide la forêt euh, est euh, luxuriante elle est abondante euh, et les humains comme les monstres en fait parcourent les branches euh, du bois noueux pour profiter au maximum en fait des bienfaits saisonniers A euh, l'inverse pendant euh, le sec hiver euh, elle plonge dans un repos fragile euh, rempli de craquements comme à l'heure actuelle, en fait, vous êtes dans un froid sec euh, hivernal. Et ces emblématiques euh, bois tordus, dont le, le tronc euh, s'enroule un petit peu comme des serviettes qu'on essore, euh, voilà, ces troncs ont perdu leurs feuilles. Euh, la plupart des monstres natifs de la région migrent ailleurs. Euh, L'été est en général doux, mais euh, cette année, il y a une vague de chaleur qui frappe. Euh, une vague de chaleur qui est provoquée par des incendies, euh, des incendies de forêt, euh, non loin d'ici, qui ont rendu euh, l'air euh, épais, acre. Voilà, vous êtes donc dans la première région et on va devoir faire un petit... Euh, vous avez de nouveau le choix entre récolter ou euh, avancer. Donc maintenant, vous savez comment ça marche, donc je vous invite à réfléchir à l'avance, à quel jet vous souhaiteriez faire. Euh, Est-ce que vous voulez. Euh... Donc, on ira plus vite hein, maintenant que vous savez comment ça marche. Est-ce que là, vu qu'on est dans une nouvelle région, vous voulez prendre des ingrédients ou pas Je sais pas, mais je pense qu'on devrait se booster un peu notre, euh, notre force, notre puissance, tout ça, tu vois, genre euh, s'entraider là-dedans, non Parce que oui <laughs> J'ai euh... l'impression qu'on est pas très rapide. <laughs> peut-être déterminer ouais. un, un éclaireur qui vous donnerait peut-être un avantage sur un style qui vous intéresse toutes et tous. Par exemple. Oui. J'ai l'impression le... que puissant avait euh, remporté un peu plus d'adhésion, mais je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Je peux m'en sortir en. Si vous... si vous décidez de passer en force, je m'adapte. Ah c'est cool bon. ça. Moi là, non, mais cool. au moins vous serez trois, donc euh, franchement c'est le mieux, je pense. Okay. Si vous êtes euh, trois et très là-dedans, c'est l'idéal. Est-ce qu'on repart tout de suite ou est-ce qu'on se réapprovisionne Moi j'avancerai encore un peu. Ouais je suis bien pour ratiboiser aussi. Euh, là ça m'inquiète un peu les écailles, j'ai pas trop envie de, de me poser maintenant alors que Dupin, on sait pas où elle est, et on sait pas dans quel état elle est. Euh, moi je pense qu'il faut avancer un peu là. Ouais, okay. Du coup, autant ouais. se, se préparer à fond avant d'y aller. Donc. Non mais on, on fera ça, on pourra faire bon. ça ensuite. Euh... Mmh. On peut avancer encore un coup, puis faire des recherches vu qu'on sait qu'on a entre guillemets deux jours de retard. Alors, c'est pas en jour, c'est en round, mais je vois ce que tu oui, veux dire. Mais... C'est un peu l'idée. Ouais. Ouais, ouais. 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 Oui, voilà. Vu qu'on juste... sait qu'il est plus loin, on peut avancer un peu, puis récolter et avancer si vous voulez. Alors, juste petite parenthèse, je sais pas pour vous dissuader ou quoi, hein, vous faites bien ce que vous voulez, mais euh, juste pour le besoin du jeu, il faut savoir que chaque région a ses propres ingrédients. Donc il y a des ingrédients qui sont dans cette zone que vous ne trouverez pas dans la suivante et, euh, et inversement, des ingrédients qui sont dans la suivante et qui ne seront pas dans celle-là. Voilà. Donc là, si euh, on avance et qu'on réussit, on change de région. Alors si vous décidez d'avancer, dans tous les cas, vous changez de région. Vous allez avancer okay. dans tous les cas. Par contre, si vous ratez votre défi, il va se passer des choses, il y a des événements et donc il va vous arriver des bricoles. Mais dans tous les cas, vous changerez de région. Okay. Donc savoir qu que la région est euh, un peu euh, soumise à une sécheresse ou à des incendies, je suis pas très optimiste sur euh, le, le, le nombre d'ingrédients, le type d'ingrédients aussi qu'on pourrait y trouver. Mais Alors, si, franchement, il y a quand même Alors, des trucs. Il y a toujours des trucs. Qui qui ouais. Poussent. Je vais pas croisant l'experte je... du feu. J'ai cramé des plantes et elles sont revenues toujours très vite. Hein, je... <laughs> Donc effectivement, euh, effectivement, peu importe le style et peu importe la région, en tout cas de ce que j'en vois sur le kit de découverte, il euh, mmh. y aura tout le temps des trucs à trouver. Peut-être voilà. peut récupérer quelques ingrédients. Du coup, tant qu'on est là, pour euh, espérer mmh. se booster un peu justement, pour avoir plus de chances de sauver Dupin. Quand on la retrouvera. Mmh. Ok. Et pour assaisonner le, le gros pigeon. Oui, ouais, également. Euh, ce vous, préparez le, vous, vous préparez le repas pour, en oui. vue de, son, de sa mise à mort. Très bien. Ça, sachant que même si Dupin est un peu blessée, elle, elle est quand même très résistante et rapide. Moi, j'ai confiance en elle. pour. Euh... Très bien. Eh bien, du coup... Ouais, euh, euh, eh bien, vous, vous allez faire un, un jet de recherche. Et euh, vous me dites quel style vous allez utiliser. Je crois qu'il y a des ingrédients différents sur des styles différents, c'est ça Absolument. <laughs> Absolument. Qui veut commencer Je suis sûr que Prix a envie de très envie de commencer à montrer l'exemple. C'est de la recherche, c'est ça Absolument. Eh bien écoute, euh, je pourrais chercher... Euh, commencer par rechercher en, en puissance, par exemple. Ok. Donc, euh, en cherchant le c'est un peu ce qui est le plus évident, j'imagine, c'est peut-être plus euh, difficile à... Ouais, c'est ça, tu, tu, tu ouais, cherches pas spécialement, tu regardes les premiers trucs qui viennent tu et, arrive, ouais. euh, et tu tires dessus, tu, tu vois ce qui arrive, quoi. Ça. Mm -hmm. Eh bien, écoute, dans ce cas, je vais me concentrer et okay. rechercher. Oh, tu ne me déçois jamais. Sérieusement <laughs> tu Alors, Alors j'ai la as... recherche... Mais okay. ça me ferait passer à 4, euh, 1, 1, Et 3, quoi, sérieux. Et ce n'est pas, <laughs> pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ouais. suffisant. Il n'y avait rien euh... sous ce, ce gros caillou. Voilà, voilà, voilà. Donc disons... <laughs> non, alors, si, tu... en fait, ce qu'il qu y a, c'est que tu, tu trouves, tu trouves des, des, euh, des ingrédients, mais ils sont pourris, ils sont de mauvaise qualité, en fait. Euh, ce que tu as pu trouver, euh, ce sont des euh, racines coussins. Donc racine coussin, c'est un, un tout tubercule tout. qui est riche en amidon, qui est mou, euh, qu'on peut faire bouillir, qu'on peut écraser, cuire ou, ou faire frire. Et on dit qu'il n'y a pas de plus grand plaisir que de s'offrir un petit plat de racine coussin avant de se laisser aller à une courte sieste. Donc c'est ce que tu trouves. Malheureusement, ceux que tu trouves sont un peu pourris, rabougris. Euh, ils ne sont pas propres à la consommation, en fait. Mais ça t'a permis d'avoir euh, une indication. Euh, qu'il y a ce genre de choses en, euh, en puissance, bien sûr, dans cette forêt. Par contre, voilà, euh, voilà. ce qui se passe, c'est que euh, pour retrouver ces racines coussins, tu as mis euh, les mains dans des, euh, dans, dans des espèces de ronciers et euh, tu t'es euh, griffé en fait, les mains et gratiné, en oui. mettant, voilà, égratigné. Tu perds ouais. deux points de vigueur. C'est la conséquence ah, d'avoir raté. Oui, alors euh, s'il te plaît, je suis quand même vachement plus sympa. Moi, je te pète pas une jambe parce que tu cueilles des framboises. Alors, euh, s'il te plaît. Euh, Nadine. Ouais, je n'ai pas le contrôle de mon token pour changer mes PV. Ouais, je vais regarder ce que je peux faire. Nadine... Euh... Oui, t'as dit Nadine, pardon. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais, toi Bah, Je vais chercher aussi avec... En, en remuant le nez comme ça, de manière okay. puissante. <laughs> okay. Tu as l'autre, tu as, tu as, un puissant odorat. Elle a un puissant odorat, donc elle va voir ce qu'elle trouve avec son puissant odorat. Voilà. Et elle coupe le vent avec sa bien. poêle, tu sais, pour bien sentir ce qu'il y a de l'autre côté. Ouais, comme ça, avec, <laughs> la, la, avec la poêle. <laughs> ouais, voilà. Oui, c'est ça, tu fais. <laughs> très bien. Euh, c'est parti, du coup. En puissant. Euh... Ok. Yes. et Est-ce que tu as contrôle sur ton ah, token alors, maintenant Est-ce que le recherche, au fait, c'est pour ça que ça marche ou pas les compétences, La compétence recherche euh, oui, La compétence recherche, tout un... à fait. Tu peux augmenter. Ça te tout donnera tu un as. petit bonus okay. sur un, un TG ou un T résultat. Ouais. Ok. Donc euh, je ne l'ajoute pas là dans le nombre de dés. Je lance non. comme ça. Ok, oui, ça marche. Tout à fait. Donc tu obtiens euh, 4, 1 et 3. Donc si tu as des points en recherche. Oui. Donc tu peux transformer ton 4 en 5, ce qui fait que c'est une réussite. Et euh, ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, peut-être que la saison euh, fait que les racines coussins sont un peu rares. Mais par contre, toi, tu trouves un racine coussin, ou une racine coussin plutôt. Tu en trouves une qui est propre à la consommation. Donc tu peux marquer euh, quelque part sur un petit bout de papier, ou alors euh, dans la bio de ton personnage, là sur Rolevin, que tu as en ingrédient une racine coussin. Voilà. Je vérifie que si c'est bien par un que tu les chopes, mais euh, euh, oui effectivement. Et donc en cueillant ce truc, euh, tu... Euh, je sais pas si, ouais, je vais vous donner les effets, mais en, dans le jeu euh, entier, je ne sais pas si les, si forcément les effets sont connus avant, vous ne pouvez pas cuisiner n'importe quoi sans savoir. Donc ce que tu peux savoir, c'est que le racine coussin te donne un point de vie, un point de vigueur quand tu le cuisines, et euh, il te donne l'état reposé. Qui est un état plutôt cool et qui, uh, qui donne des bonus. Donc euh, voilà, Racine Coussin, c'est cool. J'aime beaucoup le nom Racine hein, Coussin. Ouais, c'est ouais, super non, chouette. Yann, qu'est-ce que tu cherches toi Comment tu t'y prends Moi, je vais euh, pas y aller euh, en mode bourrin comme mes compagnons mmh. de meute. Euh, un peu de variété, bordel. En... Ouais, voilà. Je vais y aller un peu plus en étant précise, donc en, en détaillant bien ce que je peux trouver, chercher peut-être okay. des petits un peu sympas à manger avec du poulet, du coup. Euh, <laughs> voilà. De manière un petit peu plus précise. Mm. Effectivement, hein, je ne l'ai pas dit parce que pour l'instant. Ouh, très beau. Euh, une réussite à 8, donc toi tu y allais en précis. Très bien. Oui. Eh ben, euh, c'est euh, un peu la fête. Alors toi, tu as trouvé quelque chose qui ne, qui ne permettra pas de gagner des points de vigueur. Même si tu en mets 8 ou 500, ça ne marche pas comme ça. Tu as trouvé quelque chose qui s'appelle un assaisonnement. Et en fait, l'assaisonnement, ah. c'est super cool. Parce que donc, la saison ça double la vigueur apportée par le plat. Donc, si par oh. exemple vous cuisinez, euh, vous avez 5 ingrédients qui vous rendent 5 points de vie, euh, si tu utilises cet ingrédient, tu vas doubler euh, l'effet. Le, 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 D'accord okay. ça, euh... ça a doublé l'effet d'un seul ingrédient ou de tous les ingrédients du plat c'est le, en fait. okay. oh, voilà, le plat. Par contre, plus tu mets d'ingrédients, euh, alors c'est pas parce que tu vas mettre trois fois le même ingrédient que tu vas tr tripler le résultat. Ça va marcher comme, euh, comme une seule fois le fois x2. Par ah ouais, contre, ouais. plus tu mets d'ingrédients, euh, plus. Enfin, euh... ah non, un seul, ça suffit quoi. Et toi, tu ouais, as trouvé un de la. Un. Ouais, tu as trouvé de la Golterie du sage Okay. donc euh, en fait tu as deux euh, la Gatéririe dans ce coin là tu en as deux différentes t as la Gaerie du fou et la Gaultéririe du sage La Gaultrie du fou ah. ce sont euh, des feuilles séchées euh, qui sont euh, c'est des feuilles séchées qui sont stimulantes en fait euh, donc l'effet est temporaire mais euh, c'est euh, quand tu la cuisines, ça te fait perdre euh, beaucoup d'énergie, en fait. Donc, ça double la valeur de... nutritive que tu manges de ton plat, mais ça te met l'état fatigué. Toi, par okay. contre, avec ton G euh, incroyable, tu as réussi à trouver de la Goltérie du sage. C'est la même chose, c'est identique, sauf que euh, ça a une, une odeur plus douce, en fait. Et, euh, et ce, en fait, cette Goltérie ne te donne pas l'élément fatigué. Donc, tu as que les bénéfices. Pas les, les, oh, les, trop les, les avantages. Bien. Donc, tu as de la Golterie du Sage. Ok. Et est-ce que, vu et que tu as un 8, point recherche... Ah, oui. okay. en recherche. Ah, ok. Bah, si tu as un point en recherche et que tu le mets justement dans, dans ton 8, bah, tu passes à 9. Donc, tu as 9. Euh... Est-ce que je peux pas l'utiliser pour euh, éventuellement aider euh, Moustique aussi à chercher en lui donnant des indications, etc. ou pas Ah, oui, pourquoi pas, effectivement. On peut, on peut imaginer ça. Ouais. 8, c'est pas mal, déjà, ça nous fera 8 plats. Ah ouais, c'est très très bien. Oui. Très bien. Donc tu donnes un, un bonus, par contre, tu choisis euh, en, dans quel style Rapide ou sournois Rapide. Sournois. <laughs> Attends. Moustique, il, il est rapide, de toute façon. Ah bah rapide, ça je j'ai à... tu... bah, je... vu comment il s'est faufilé dans cette cage de manière euh, fluide je, je donne un en... rapide un rapide très bien est-ce que tu es rapide moustique je dis moi couille. oui <laughs> ouais. allez fais nous je un suis, petit euh... jet de rapide ok je suis vif comme l'éclair et, et donc tu as un bonus euh... tu as un avantage donc sur ouais. 4, 5 ou 6 ça fonctionne ok est-ce que tu as quelque chose ça, ça a pas en... pas suffisant. Tu n'as rien pas en de recherche. recherche. J'ai pas de recherche, non. Ah bon. Eh bien <laughs> voilà, malheureusement tu ne tu ne parviens pas à trouver Je quoi que ce soit de, de comestible. La seule chose qui se passe, c'est que tu déranges euh, des waris. Les waris, ce sont des espèces de gros pigeons. Euh, et au moment où tu arrives en fait dans un coin où tu voulais peut-être avoir des des œufs de waris. Euh, les pigeons euh, s'envolent euh, dans une espèce de, de, de flap, 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 bien audible. Et euh, malheureusement, tu n'as pas trouvé d'œufs de, de Waris. Quoi. Tout le monde a joué. Euh, aïe, aïe. Finalement, vous avez trouvé de, de l'assaisonnement et euh, un petit peu de. Euh, je sais même plus ce que c'était le premier truc. Des racines coussins. Euh, une, coussin. Racine coussin. une racine coussin et de la coltérie du sage. Ça va, ouais. on a 8 assaisonnements, donc euh, on aura 8 plats oui. bien boostés hein, pour la vigueur. Mais Pris, euh, on n'avait pas trouvé aussi de la racine coussin Ah non, elles étaient pourries. Non, ça elles ça étaient pourries, ouais. Ah, on, on est que deux à avoir trouvé des trucs comestibles. Ouais, c'était pas bon. terrible, Vraiment. Ouais, bon. Toi, t'en as chopé 8, en fait. T'es genre la récolteuse pour tout le monde là. Ouais. J'ai fait, vous en faites pas, j'en ai avec mes bras chargés. <laughs> yes, oh. alors. Euh, je sais plus du tout comment on fait pour ajouter des tics à ces horloges, je vais y arriver. Euh, voilà, choisir une face. Donc il y a euh, le temps qui passe. Et donc effectivement, euh, hop, il y a un tick sur chaque horloge. C'est la fin du round. C'est à moi de jouer. C'est à la région. Euh, de jouer. Euh, donc, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un événement. Alors que vous êtes euh, en train de chercher dans, dans les buissons, dans les feuillages, que vous êtes à la recherche d'ingrédients pour, pour cuisiner le, le kakouari, hein, vous avez déjà peut-être l'eau à la bouche en vous disant « Oh, je suis sûr que c'est un goût de poulet, le pan. Euh, » euh, Vous entendez des bruits... Euh, qui était l'éclaireur dans votre groupe C'était Pri Je crois. sur le tour d'avant, ah c'était moi qui étais. Ah, c'était toi, Moustique. Voilà. Très bien. Tu es l'éclaireur. Ce sera notre éclaireur, ouais. Ce qui se passe, c'est que euh, tu es la première, hein, tu es la plus éloignée, tu cherches, hein, chacun cherche un petit peu ses trucs. Euh, et tu vas faire la rencontre de quelque chose euh, de désagréable. Tu vas tomber sur les braconniers en fuite. Oh, il... Les braconniers sont ah... là. Oh, ils vont regretter d'être venus, je pense. <laughs> tu oh, vas de... Oui, par <laughs> contre, t'es ar ar armé sur ce coup. Mais on n'est pas ah, dans ouais. une situation de combat, c'est-à-dire que tu étais en train de. Toi, tu cueillis des fleurs, hein, en fait. Hein. Euh, tu étais en train de chercher des fleurs, tout ça, et tu tombes sur le groupe des braconniers. Tu vas, pe... ouais. tu vas me faire un petit G. Je cherche euh... des noises. Bah, ce qui se passe, en la... fait, c'est que. avec tes gants. Ils te voient arriver et euh, ils se disent Il euh, y a Clé, tu entends Clé tiens, ah, tiens, tiens, elle est seule. Allez, les gars, capturez-la Et donc, tu as tous les braconniers qui se jettent sur toi. Qu'est-ce que tu fais Non, oh, mais ils il perchent aussi, franchement. C'est le moment de nidifier, là. Donc, Je... euh, ouais. tu peux essayer de t'enfuir tu peux euh, euh, essayer de leur faire peur. Voilà, explique-moi ce qui se passe. Ils sont plusieurs, hein, ils sont nombreux quand même. Moi, je pense que mon premier instinct ce serait de m'enfuir. fuir Ok. Je Donc suis, tu vas me faire une euh, traversée je rapide. Je suis courageux, mais pas de téméraire. Il euh, faut que je retourne vers les, faut que je retourne vers les, les copains et mm -hmm. que euh, je les prévienne aussi qu'ils soient là pour pas qu'ils se fassent avoir non plus. Ok. Donc euh, je vais faire un jet de rapide. Et est-ce que en compétence, euh, je peux mettre euh, traversé Très bien. Ouais. Alors, mécaniquement, ce qui se passe, c'est que c'est un, un défi. Le défi, c'est pour tout le groupe. Là, vous avez un défi d'une valeur de 10. C'est-à-dire qu'au total, de, vous allez jouer une fois chacun. Et il faudra faire 10 ou plus sur votre jet d'action pour euh, vous échapper. Qu'est-ce que tu nous as fait Merde, j'ai pas vu. Que... Est-ce que nos jets d'action, ah oui. ils il comptent quand on fais 3-4 Je fais 2-3-4 on... et, et 7 sur mon dé d'action. 2-3-4. Alors quand tu échoues, non, ça ne compte pas. Ouais, okay. euh, ouais. as... Est-ce que tu as des points à traverser Non. Non. Ah. Donc euh, tu ne parviens pas à t'échapper. Et donc ce qui se passe, c'est que hein, tu ne tu, tu les as pas vus venir en fait. Ils étaient assez fourbes. Toi, tu, tu, tu cherchais tes œufs tes, de tes pigeon. Non, tu, tu cherchais de la... Je me rappelle plus... Oh. Ce que tu... oui, des, des trucs. Des hein. trucs. Ouais. Et en fait, tu les as pas vus. Et ils te sont tombés dessus. Tu perds 5 euh, ouais. points de vigueur. Et les contrebandiers t'embarquent. Ouais. Nadine, à toi. Qu'est-ce ouais. que tu fais Donc, en... ce que tu as pu <laughs> entendre tu as entendu des, des cris de moustiques. Ah, ah, voilà. Et il t'embarque, ouais, euh, euh, Moustique. Première chose, j'ai entendu Nadine. Et du coup, je n'avais pas percuté à quel point le, le nom de ce personnage non. sonnait Nadine. Nadine, ouais, c'est vrai. Et euh, deuxième chose, bah, du coup, ça, ça crie. J'entends les cris de les cris de moustiques. Bah, du coup, je, je fonce par là-bas. Je vais pas me dire tiens je vais aller planter des pralines dans la jungle. Fonçons donc, par là-bas. tu vas, tu vas découvrir les braconniers hein, donc qui ont saucissonné moustique et il y en a un qui l'a sur l'épaule. Euh, voilà, qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu veux faire Tu peux les frapper, tu peux essayer de leur faire peur, tu peux essayer de négocier, euh, tu peux. Une ad... enfin, je suis Nadine, je vais les frapper évidemment. En plus ils ont kidnappé ouais, il moustique, bah évidemment. Donc on va manger Très du braconnier bien. ce soir, à défaut de pouvoir manger du, du gros poulet. Tu leur euh, fonces dans l'arbre, donc pour moi c'est euh, puissant avec euh, la compétence oui. coup. Alors. Et ce n'est pas suffisant, à moins que tu aies un point en coup. Euh, -ce que euh, que non, même un point pas, en... il en faudrait deux. Non, parce que non je n'ai pas de point en coup. J'ai de l'assurance. Ça, Ça ne fonctionne pas et ce qui se passe c'est que euh, tu euh, tu fonces dans le tas, tu mets un gros coup de poil à un braconnier, euh, tu le touches et tout, il a pris hein, s'est pris un bon coup mais euh, les braconniers sont encore insuffisants euh, et euh, il se jette sur toi, tu perds 5 points de dégâts et il te saucissonne aussi. <laughs> On va juste se refaire embarquer. <laughs> Désolé, <laughs> je pas ce que j'ai pu. Oh, Liane, à toi, on compte sur toi. Tu entends oui, euh, oui, deux je... compagnons qui, euh, qui sont euh, euh, visiblement en, en galère. J'y vais Ouais. Euh... <laughs> Vas-y <laughs> Ils me font chier quand même. Euh... <laughs> ouais. oh, euh, non mais... Pas, ma pas vous, les braconniers non. Mais pas ils m'ont pris par surprise bah, je vais mmh. je vais tirer avec mon chalumeau sur un de ceux qui ont un de mes comparses saucissonnés je pense et par Très contre euh... donc si tu vises quelqu'un en particulier ça va être précis comme style ouais. et la compétence tire du coup puisque tu tires à distance avec ton chalumeau qui est la seule arme des pré tirés à être à distance euh, soyez en passant et qui est aussi mon personnage préféré Très cool aussi. Et eh ben ouais, non, mmh. je, vais, je vais leur tirer dessus. Très euh, bien. Fais-moi ton G. Je, je suis juste en train de me dire qu'il faut qu'on fasse 10 pour réussir le défi et que derrière, c'est Scarelock qui passe. <laughs> ça tu cool, as ça, tout ça. à fait résumé <laughs> ma pensée. Est-ce que tu dis j'hésite à la... sortir la bête pour essayer de lancer un D20 et de faire 10 Mais en gros, du coup, si j'ai bien retenu, moi j'ai 3D en précis, je passerai qu'à 2D. Tout à fait. Mais par contre, le dé d'action, au lieu de lancer un D8, tu lances un D20. Potentiellement. réduit mes chances mal. de réussir, quoi. Il y en a déjà deux oh, qui oui. se sont fait. Je... Scarlock, je crois en toi. Et je crois oh en bah, nous et en nous des 8, ok Donc je vais le faire en, toi, en, me... <laughs> en me concentrant. Est-ce que tu es sûr de toi Non. Alors, parce que il faut savoir que, bon, <laughs> vous avez encore un, deux points d'harmonie. Donc je veux dire, c'est pas encore trop grave si tu rates. Là, le problème, c'est que si à vous deux, vous faites pas 10. Oui, si c'est presque, rate... c'est un peu game over quoi. Ouais mais si je rate mon D20 il servira à rien. Oui mais euh, si tu rates... On tue la euh, voix avec du avec diable, Bégite, je vais faire sortir pas... la bête. C'est bon, tu m'as compris. Allez quoi, un euh... petit peu, montre-nous là ce que tu fais. <laughs> à, à, à quelle bête Deux tu fais appel des... là mon crabe, mon crabe intérieur. Mon oh, crabe intérieur. C'est <laughs> grand je J'avance que... sur le côté comme ça et je leur crabe <laughs> la crabe. Oui parce qu'après tout tu en pinces pour... Euh... Pour tes camarades, oui, mais pas pour les ah. braconniers. Non, allez, vas-y, déchaîne-toi, montre-moi. Oh. J'ai très, très peur. Hein. Ah, je Et... Que... Et bah, Check. ouais, voilà, hein. <laughs> oui, bah, t'aurais fait un délire, <coughs> ça aurait été pareil. Hein. Non, rien euh... de plus, c'est vrai. T'as pas de tas, des points tiers ou pas du tout. J'ai un point à tir, mais... Euh... Mais ça fait 4, ce n'est pas suffisant. Ouais, voilà. Ça suffira pas, malheureusement. Non, ça fait 3. Euh, très bien. Oui, 3. Donc, par contre, tu as fait 6 en euh, valeur d'attaque. Donc, il ne se passe pas tout à fait la même chose. Euh... Ah non, c'est un échec, en fait. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe bah, ouais, ouais. Mais je suis loin. Tu... <laughs> je suis pas tu... au ouais. mais en fait, ils ont vu. Tu tiré, en dit, fait. Tu as Tu as aussi <laughs> T'as tiré en fait, mais t'as pas réussi à faire mouche. Hein. Tu, tu n'as pas touché euh, la personne que tu visais. Et, euh, et Clé, euh, en voyant ça, dit Ah, euh, il oh, y en a, y a, le dernier, y a, le, y a un des derniers là, chopé là Et euh, effectivement, t'as les braconniers qui se jettent sur toi et qui t'attrapent et tu perds 5 points de vigueur et ils t'embarquent. Et on perd un point d'harmonie du coup. <laughs> et tu perds un point d'harmonie, effectivement, Putain. pour le groupe. Il ne vous en ouais. reste plus qu'un. Tu te en me concentrant. <laughs> Donc c'est là où je dois faire un jet-fou, de c'est ça Oui, Absolument. tout dépend de toi. Test, tu tu te 8. racontes un petit peu de, cette, de non, cet mais, humour mais, Même pas en le... D8, parce que euh, le, le D8 suffira pas, parce que même si tu réussis, il faut qu'on fasse 10. C'est ça, donc euh, c'est ce que j'étais en train de me dire, je dirais il faut faire 10 sur un D8, ça va être... C'est ça. Il faut que je lâche la bête. Sachant que ça ne, peut être... ça ne peut pas être puissant, ça ne peut pas être précis... Et ça ne peut euh, pas être rapide, ça ne peut pas coup. être réussi alors. Alors je pense, il resterait plus, de ça peut plus pas être Parce que parce, parce que vous avez tous échoué en fait dans vos euh, dans vos styles ah, c'est pour étil. toute la meute, c'est pas genre Et... chacun. Oui, son, euh... non, non. Ah, ah je, je crois que c'était les actions individuelles. Parce que du coup, du coup, euh, je peux pas déchaîner la bête parce que sinon j'ai plus de dé parce que j'ai qu'un seul dé là maintenant dans ce qui reste. Et si je déchaîne pas la bête, je ne peux pas atteindre 10 Ouais. Mais euh, bah, du coup, ce qui se passe, c'est que bah, c'est quand même mieux d'avoir un score que d'avoir zéro. Et donc, dans tous les cas, effectivement, euh, il va se passer des trucs. Quoi. Au pire, tant tu sais la négociation. Il me reste quoi Il me reste euh, Sournois, c'est ça mmh. ouais. C'est oui. Doupin qui va devoir est... venir nous sauver, en fait. <laughs> à faire demi-tour. <laughs> On va se concentrer et faire... Euh... Envoyer tout ce qu'on a. Hein. Alors là, c'est pas de ma faute. Hein. Après, t'es pas hein. obligé de taper hein, si t'as des compétences sympas pour euh, tenter de la Tu bah, T'as utilisé quoi Parce que ah, du coup, ah, bah, tu m'as pas euh... dit, t'as juste lancé les dés, ah, mais oui, je sais non, pas mais... quelles compétences tu utilises. Ah, oui, non, non, mais euh, là, euh, j'essaie là, mais tous mes compagnons sont capturés, euh, je fonce dans le tas et je tape. Ok. Avec quoi Sournois Ouais. Une attaque okay. surprise. Tu t'es glissé discrètement pour essayer de les attaquer, c'est ça C'est ça. Ok. Ça. Tu as un point, sournois euh, J'ai un point en sournois, oui, mais après, sournois c'est la c'est le style. Euh, oui. La compétence, c'est plutôt. Euh... La compétence, ça augmente soit l'un de tes dés. Euh, pas en sournois, pardon, oui. euh, excuse-moi, en coup. Oui, parce que si en tu en me un. dis tu frappes Ça me permet de passer voilà. à 5 et de réussir. Donc c'est une réussite oui. à 6. Et ça, c'est quand même pas mal. Ouais. Euh, donc, euh, ouais. porte heureusement. C'est pas suffisant c'est euh, un succès en fait ce qui se passe c'est qu'effectivement, tu attaques euh, tu attaques l'un des braconniers tu as fait 6, donc ça le met hors d'état de nuire donc toi ils ne, tont, ils ne t'ont pas capturé en fait je suis à Donc, oui. ce qui se passe parce que je n'avais pas prévu en fait que ça se passe comme ça vraiment là vous me surprenez à euh, cette, <laughs> cette, cette succession de loses. Vous êtes encore plus nul que ce que je pensais. Hein. <laughs> Regarde, le n'avait pas prévu qu'on soyait des boulets. <laughs> c'est un petit peu ça, et, euh, effectivement. Donc ce qui se passe, c'est que euh, il va y avoir un moment quand même où vous allez réussir à vous échapper. Euh, par contre, vous allez perdre du temps. Et donc, okay. vous allez prendre en conséquence non seulement deux points de vigueur chacun, supplémentaires, tous. Mais euh, vous avez aussi donc euh, un tic de chaque horloge. Merde. Ah non, si, c'est bon. Tac. Qui augmente okay. Okay. On perd tous 5 en... en vigueur, c'est ça Non, deux en, en vigueur. De... Deux. Deux. Enfin, ouais. nous, on a perdu 7, même moi qui réussis. Toi, tu... tu perds que deux et nous, on a perdu 7. 7 c'est la conséquence, en fait, les deux, pour tout le monde, c'est la conséquence d'avoir raté le défi, en fait. Mm -mm. Comment hein, vous vous êtes échappé je, je serais curieux de savoir. On leur a donné les racines moitiés. Ils ont de glissé Chris. sur une racine coussin pourri. Non, mais <laughs> pris, il, il a été hyper fort. Il en a assommé un qui est tombé sur les autres. Ça a fait domino. Et du coup, on a pu euh... se barrer comme ça. Mmh. Alors, a fait peur de voir un, un, un naturon requin euh, agiter un énorme hachoir de, de mètres de long. Euh... Ah, effectivement, tu as, tu as réussi à te débarrasser d'un des braconniers et euh, voilà. Même si euh, ils ont essayé de combattre et tout, mais effectivement, avec ton hachoir ça faisait un petit peu peur et euh, ils ont préféré s'enfuir plutôt que de de risquer de perdre d'autres troupes et euh, une fois encore la voix des méchants de Nicky Larson résonne dans les dans les feuillages. <laughs> Je vous retrouverai, nature <laughs> Ils partent comme la Team Rocket. La Team Rocket aussi. <laughs> Je vous propose qu'on accélère un iota le rythme euh, mmh. si on veut pas finir trop tard. Euh, faut juste euh, à yes. Euh, qui veut être éclaireur Je pense qu'il faut euh, là. Vous avez le choix en fait. Soit vous euh, faites un feu de camp, vous papotez, vous faites ce que vous voulez, mais du coup vous arriverez en retard pour sauver Dupin. Euh, en tout cas, sauver Doupin. Elle prendra des dégâts supplémentaires et peut-être que le kakouary se tirera. Soit et vous n'avez pas trop le choix, théoriquement. Vous êtes obligé de tracer, donc de faire euh, deux fois euh, la traversée. Donc qui est éclaireur Est-ce qu'on garde le même style à chaque fois et on, on fluidifie le jeu euh, On reste euh, moustique là, en fait rapide. Non, non, okay, il faut que ce soit quelqu'un euh, en, ouais. en, en puissant. En puissant, quelqu'un qui aille et en puis puissant. en puissant, et moi je le ferai en précis, et tant pis quoi. Très bien. Eh bien vas-y, euh, oui. euh, on va changer un peu. Oui. Ça va être euh, Nadzine, euh, t'es puissante aussi je crois. Donc tu seras, tu ouais, seras l'éclaireur. La pu... la C'est de... si bien, de... bien de mettre le jet d'éclaireur euh, sur quelqu'un d'autre que Skerlok <laughs> Alors, puissant et je traversé. Il vient quand même de nous sauver. Il, hein. Hein. Ouais. Oui, oui, oui. Pardon, pardon. Il vient de nous sauver. Tu viens de nous sauver. Voilà. Du coup, euh, c'est parti. Hop. Waouh Très bien. Wow. Donc, je vous, je vous rappelle que pour dépasser euh, ce défi, donc cette, cette région sans encombre, il faut faire 20 ou plus. Donc, là, toi toute seule, tu as fait. Donc, tu as double réussite. Donc, non seulement c'est réussi. Mais en plus. Euh... Même. Oui. Ah, bah, les braconniers nous ont trop énervé Oui, donc, effectivement. Misés, là, ouais. Alors, tes réussites supplémentaires, tu as le choix. Soit tu les ajoutes à ton dé ce qui te fait passer à 8. Ce qui fait sur, sur, sur 20, vous seriez, seriez déjà à 8. Soit on peut ajouter des petits éléments descriptifs. Euh, je peux te donner un élément essentiel. Avant que tu dises « je peux te donner un élément essentiel », j'allais te dire « ah, mais on a besoin de faire des bons chiffres ». Et puis là, t'as dit « je peux vous donner un élément essentiel ». Je suis faible face à ça pas l l voilà. Non, okay. on passerait à 7 dans tous les cas, non Pas 8 euh, C'est oui. Plus... Oui, oui. Ah oui, non, c'est 3 réussis, toi. Non, pardon. C'est Est-ce ça. Ça Est que tu veux l'élément essentiel Bah ouais, on veut l'élément essentiel. Bah, oui, Très évidemment. bien. Alors, tu vas... Tu y vas comme une brute avec ta poêle. Tu frappes la végétation, tu casses euh, les espèces de bois tordus. Euh, tu, tu es un véritable bulldozer, en fait, dans, dans cette forêt euh, euh, craquelée. Euh... Et tu euh, viens de débloquer ma carte piège. Euh, non puisque. Mais non, mais grâce à ton aubaine, ça va, ça va passer, tu vas voir. Alors là, là j'improvise complètement. Hein. Je ne sais pas si c'est dans les règles, mais je trouve que c'est intéressant. Euh, ce qui se passe, c'est que, comme je vous l'ai dit, chaque région a des spécificités. Il y a des périls, il y a des ingrédients à récupérer, il y a des événements qui lui sont liés. La région du bois noueux euh, contient une végétation dense. D'accord Il y a des roncières hein, qui envahissent les chemins. Et euh, les naturons, pour effectuer une traversée puissante, doivent dépenser 5 points de vigueur, en plus de tout autre coût. L'avantage qu'il y a à ça, c'est que euh, avec ta réussite bonus, non seulement tu ne prends pas ces 5 points de vigueur, fatalement, mais tu as cette info. Alors certes, tu vas donner un avantage en puissance à tes copains, mais euh, tu leur dis aussi que hein, s'ils veulent cet avantage, ça coûte 5 points de vie. Et cette info, tu ne l'aurais su que comme ça. Sinon, les autres auraient dû perdre 5 points de vie euh, en puissance. Ce qui est plutôt cool. Donc, vous progressez de 7 et tu as cette indication. À vous trois, vous choisissez ah. votre style. Si c'est en puissant, vous avez un avantage, mais il faut payer 5 de vigueur pour avancer. Bah, ils ont pas mes ah équipes. Même, si, euh, même si on obtient des succès supplémentaires, ça ne peut pas faire baisser ce coût de 5 de. Parce qu'on l'a déjà non. payé du coup. Voilà, vous pouvez pas. Écoute, moi je vais y aller en, en puissant parce qu'il me reste encore... Euh, tu y vas quand même vie, en puissant, donc euh... tu perds 5 et je te laisse faire ton G. 5, euh, Les autres, réfléchissez en attendant euh, à ce que vous voulez faire. On va essayer oh, de fluidifier un petit peu. Comme ça, on clôture ouais. un petit peu ce, ce scénario. Vas-y, Scarlott. Ouais, J'ai enlevé mes points de vie. Alors, hop. Tu N'as rien puissant en euh, traverser. non, j'ai rien traversé okay. parce que même avec un avantage, ça marche pas quoi. C'est ça, là. ça me tue, mais si, c'est C'est 4, 5, 6, non, et tu as, oui. oui, oui. bah, as fait 2, 3, 4, et tu as fait 2, 3, 1, donc le 3 se transforme en ah ouais, non, non, non tu as rien là, avancé. Non. Et, et là, non, là, non, je croyais que tu avais là, un, là, un point, ouais, non, non, non. je n'ai pas traversé, pardon, à toi, Liane, tu utilises euh, quoi? Ouais. Moi, j'ai déjà mal. Je vais avancer en précision, je pense. Très bien. Vas-y, fais-moi ton G. Heureusement, tu es. Le... Bah non, t'as fait 4. Est-ce que t'as un point oh, Ah non, t'as un 6. 6, pardon. Bah je fais sus comme. Ensuite, mon ensuite, 6. <laughs> s'il te plaît. T'as un point à traverser ou pas Je me rappelle plus, non, je crois pas. Non. Non, non okay. personne, non, personne, personne traversé, à traverser, de toute façon. Ok. Donc tu avances de 2, vous êtes à 9 sur 10. Vous êtes presque à la moitié en étant. en ayant joué la moitié. Euh. Ah non il reste plus que Nadine en fait. Ouais. Il reste plus reste plus que moustique. Moustique. Nadine a joué Oui, il reste plus que moustique. Oui, Qu'est-ce que tu fais tu déchaînes la bête tu vas comment? Est-ce que j'ai le choix? Sachant que, que tu, peux utiliser, un... euh, tu peux pas utiliser tu peux pas utiliser ce que Scarlock a utilisé c'est-à-dire je sais plus tu as utilisé quoi pour puissance, Puissant ah, puissant. Tu mmh, peux plus utiliser puissant. Ok, et vous, mais tu peux utiliser tout le il reste. Je pense qu'il faut tout donner, les gens. Ah, je pense qu'il faut tout donner. Hein. Bah, on n'a pas le choix là, mais on est en retard. Mécaniquement, mécaniquement, que ce soit réussi ou pas, vous changez de région, encore une fois. Par ouais, contre, ouais, ouais. c'est la façon dont ça vous épuise euh, qui va se jouer sur ce résultat. Donc, vous voyez, on, on est vraiment sur pas mal de phases différentes, mais c'est tout le temps les mêmes jets. Ce qui fait qu'au final, une fois qu'on a compris le jeu, les voyages vont être beaucoup plus rapides. Écoute, moi ton jet. Euh, on va quand même déchaîner la bête en, en essayant d'être rapide Très pour rattraper le retard qu'on a perdu. Très bien. C'est quoi le trait que tu utilises pour, pour ça en tant que bête Ah Ouh, bah, je peux tout. pas... C'était pour de la... Tra... C'était la... la... pas de la traversée, du coup Si, tout à fait. Ah, Mais en fait, vrai. pour utiliser le, ah, le pouvoir okay, de le trait, la bête, le trait que ça... Ouais. très bien. Euh, microbe utilise son trait de... Euh... il est déchaîné. Mmh. j'ai des périodes d'activité intense aléatoire. j'ai des soumises. <laughs> très bien. Euh... je peux ah, je peux recourir à ce trait après n'importe quel test dès qu'il me reste une réussite inutilisée. et le euh, cas. je peux restaurer deux de vigueur. parfait. Donc c'est complètement et le cas, puisque tu as, pour... tu as une réussite pour récupérer deux points de vigueur, et tu progresses de 8, malheureusement ce n'est pas suffisant, il fallait de... faire... À... Pourquoi de 8, elle a fait 10 sur son D20 euh, Moi le D20 je vois un 8. Ouais mais dans ah, le... Oui, du... c'est enfin, qu'il a arrêté de roll en fait ouais, avant, exact, mais c'est ouais. un 10. Mais du bah, coup bah, si tu utilise... si utilises plutôt ta deuxième ah. réussite pour augmenter de 1, ça fait 11 et on est pile à 20, non Ouais. Ah bah du coup euh, je l'utilise pour qu'on soit pile avant. C'est vrai que c'est bizarre, hein, ça... les dés n'ont pas affiché ouais. la même chose que dans le chat. C'est que parfois en fait le dé, il euh, y a l'animation de rôle qui bug, et du coup elle s'arrête de rouler. Et voilà. Eh mmh. bien, euh, très bien. Donc tu ne récupères pas de points de vie, mais vous franchissez euh, le bois noueux sans euh, véritable. Euh, moustique. <laughs> il y a un événement bon. qui va se passer, euh, qui est plutôt euh, de mémoire plutôt plutôt positif. Euh, tac tac tac, je vérifie. Euh, cet événement, en fait, voilà, entre les brigands, entre votre difficulté à franchir le bois noueux, euh, vous progressez ensemble et c'est un mini moment RP où vous allez pouvoir papoter un petit peu entre vous. Euh, puisque la piste est calme, euh, l'ambiance, elle n'est pas paisible pour autant, mais... Euh, voilà, il n'y a, a pas trop de danger immédiat. Euh, tout naturon peut aborder un camarade avec l'un des objectifs suivants. L'impressionner, le réconforter, apprendre quelque chose à son sujet ou lui enseigner quelque chose. Alors, il y a un petit G2D pour le faire, mais que vous réussissiez ou non... Non, attends, il n'y a pas de G qui réussisse ou non... Hein euh, on, va, on va fluidifier le truc, je ne vais pas vous faire faire de G. Qui veut impressionner quelqu'un <laughs> Nadine je suis sûr, là, tu as envie de... <laughs> ah ben, moi, j'ai pas trop envie d'impressionner, mais je me dis que je dois peut-être un petit entraînement à, à moustique depuis un moment. Oh, c'est peut-être le moment. Eh bien, ok. Tu lui... Quel genre d'entraînement tu lui donnes hein oh. C'est parfait. Oui, c'est vrai que c'était ce que tu devais faire. Et eh ben euh, moi je sais comment faire pour euh, augmenter encore un peu plus la solidité de ma poêle et je me dis peut-être que ça pourrait euh, se faire aussi avec euh, ces super maniques euh, en voilà en, en, en acier spécial excusez-moi okay. j'ai perdu le nom de l'acier le nom est très bien en plus j'ai perdu le nom le... Moi j'ai forge acier en tête mais je sais plus si c'est ça Bref le l'acier euh... Oui ah non c'est pas forge acier c'est pas forge acier euh, mais c'est 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 quoi le nom de l'acier, déjà, Manitou C'est pas une arme à chier, c'est de l'arche à chier. C'est vrai un chat quelque part. Du coup, peut-être qu'avec tes manichons en arche à chier, on peut peut-être les renforcer encore, parce que moi j'arrive à faire ça avec ma poêle, donc peut-être qu'il y a moyen de t'apprendre ça aussi, faut voir. Vas-y, montre-moi comment tu fais ça, moi ça m'intéresse. Bah alors, euh, tu vois, il faut te concentrer euh, très très fort et euh, il ouais. faut penser genre, euh, à la dernière personne que tu as eu envie de désinguer. Genre, bah là, du coup, probablement les braconniers. Et euh, normalement, tu ouais, te concentres ouais, et en ouais, même ouais, temps, ouais, tu, ouais. Penses à, euh, tu penses à ton à ton monstre. Je sais plus, euh, c'était quoi ton monstre déjà Tu m'as raconté, mais j'ai oublié parce que j'ai pas de mémoire. C'était quoi la ton cigale. monstre La cigale. La cigale La cigale, ah, bah voilà. Tu penses très fort au cigales et tu penses très fort aux braconniers. Wow. Et tu vois la cigale qui défonce le braconnier, et après tu bouffes le braconnier, mais ça c'est pas obligé. Et, euh, et normalement, tu dois sentir tes poils se durcir. Genre ça devient très 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 dur là. Vas-y, non Oh purée. Ok, ok, ok. Je suis okay. Steven Seagull. Seagull. Oh la vache. Oh <laughs> 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 ah, non, non. Oh mon dieu. <laughs> très bien. Vas-y, mets-moi un coup pour voir. <laughs> le gros avantage, euh, c'est que cette. Euh... Pour voir. <laughs> Le gros avantage, c'est un petit peu cette complicité euh, qui, euh, qui vous unit, en fait, vous apprenez ça, etc. Ça a un côté quand même plutôt positif, puisque vous allez toutes les deux récupérer un point de vigueur. Mmh. Ensuite, oh, qui, oh. Euh, qui veut réconforter quelqu'un qui, 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 qui a besoin de réconfort et qui veut être réconforté et quoi les autres actions déjà Réconforter, apprendre quelque chose à son sujet ou lui enseigner quelque chose. Donc là, moi, là moi, c je veux apprendre des trucs surpris. Ok. Quand enfin, je lui posais des questions sur. C'était comment d'être euh, un chien rediffleur là pour les méchantes Oh la vache C'était pas terrible. <laughs> C'était pas terrible. Je dormais sur le sol euh, avec les chiens. Euh, voilà. On me jetait un os de temps en temps pour manger. Alors je mangeais correctement, j'imagine. Hein. On avait des, une gamelle hein, pour manger. Euh. Mm. Quand j'avais de la chance, ils me donnaient une petite cuillère pour manger mon repas. Mmh. Ah oui, c'était. C'est pour ça que tu étais non. content d'avoir un peu de meilleure nourriture, j'imagine. Oui, mmh. oui, c'est bien meilleur. Très bien. Et puis d'ailleurs, on me donne pas de coup de pied quand je, quand je ronfle, alors c'est bien. Mmh. Ah oui. Mais oui, ronfle pas trop fort quand même, voilà. hein, cette nuit, s'il te plaît. Très <laughs> bien. Donc, même chose, euh, ça vous permet d'apprendre de, de, un peu plus à vous connaître. Hein. Vous récupérez tous les deux à un point de vigueur. Euh, qui, euh, qui veut euh, réconforter quelqu'un et, et, et enseigner quelque chose à quelqu'un Moustique. Euh, bah, je peux réconforter. Euh... Ça va être un retour à l'envoyeur, mais je réconforterais bien Nadine pour lui dire que. Euh... Doupin c est... C est, c est... On va retrouver Doupin et qu'il faut qu'elle se rassure. On, ça fait longtemps qu'on qu côtoie euh, Dupin et on sait qu'elle a plein de ressources. Euh. Moi, j'y crois, je suis sûre, elle va s'en sortir. Euh. Faut qu'on garde espoir et, euh, et qu'on reste euh, optimiste tous ensemble. Mmh. Promis, on, on va la retrouver et puis on va la retrouver à temps. Oui, okay. Parce que, comme, comme tu disais tout à l'heure, le, le, le doux pain perdu, eh ben, c'est nul. Je préfère quand elle est là. Oh, oh la vache! <laughs> oh là là pourtant c'est tellement bon le pain perdu. Oh, c'est vrai. vrai, c est c est vrai trop... Mais pas notre doux pain, <laughs> pas la nôtre! Oh, ouais. Ouais. <laughs> oh merde. Ok, euh, très bien. Un point de vie chacun. Et ensuite, je pense que euh, prix, tu, tu veux vais... impressionner quelqu'un, toi? À... Apprendre, pardon. Je vais apprendre à Liane des petites astuces de track que j'ai appris du coup en parlant de mes. passé, je vais aussi lui expliquer technique. techniques. bien au niveau du sol pour renifler. Ça, c'est là où les odeurs restent le mieux et tout. Non, et puis comment. Comme je studieuse, je prends note. Il y a des traces et tout ça. Ok. Très bien. Alors donc ça vous fait un point de, un point de vie chacun et comme j'ai trouvé votre RP et surtout vos jeux de mots très distrayants, je euh, suis trop gentil, hein, je vous offre, non j'ai pitié plutôt, je vous offre un point d'harmonie euh, pour votre, euh, pour votre oh, meute ouais. parce que euh, quand je vois euh, les échecs hein, <laughs> juste pour traverser la première forêt, je me dis que vous, a, vous allez en avoir besoin. <laughs> Non, ouais, mais coup, on, la là, pour on a fait de exprès de... pour que tu puisses montrer tous les aspects du jeu quand on réussit mmh. ou mmh. pas quoi. Donc, voilà. Ça on a pu tout voir. Tu viens de montrer ça. tous les Je... aspects du jeu, on a montré les échecs. on a ça grâce place, à vous hein. tout ça. Les échecs, euh, c'est assez important de les montrer, du coup on les a montrés à plusieurs reprises. Oui. Juste pour être sûr que tout le monde ait bien compris. On peut rater comme ça et on peut rater comme ça et on peut rater comme ça aussi. Alors c'est une... une... Vous trouvez des traces. Vous trouvez des traces, du coup, en plus de ce charmant endroit papotage. Vous trouvez des traces qui euh, vous indiquent que les traces sont fraîches. Donc euh, vous êtes sur le bon chemin pour vous rapprocher du Kakouari. Euh, ce qui indique, mécaniquement parlant, que le Kakouari est à une région de votre endroit. Donc si On vous tracez, vous pouvez arriver pile à temps, en tout cas théoriquement, euh, avant que ce petit beau monde, euh, les, les horloges, des, des, les tics des orges soient complets. Alors vous êtes dans une nouvelle région, où vous êtes dans un endroit sympa, qui, euh, enfin sympa, tout est relatif, qui s'appelle le verger mielleux. Oh Donc vous êtes dans, euh... en fait, il y, y a un clan qui s'appelle le clan euh, Tau, qui euh, cultive euh, cette partie du bois noueux, parce que vous êtes encore dans la, la même région, mais ils cultivent cette partie. Euh, et en fait, chaque fois qu'ils passaient, ils construisaient des ruches euh, qu'ils laissaient ensuite derrière eux. Euh, et il euh, y a tout un tas de, de colonies d'abeilles qui, euh, en leur absence, s'y installaient. Et euh, cette année, euh, l'année fut longue, elle fut difficile, et les familles nomades n'ont pas, euh, ne sont pas réapparues. Pour le moment ce qui fait que euh, vous pouvez euh, en profiter si vous le souhaitez pour euh, rassembler le surplus de miel sans offusquer personne euh, on est toujours dans ce, ce délire hein, de passerelles et de ponts dans différents états de délabrement en fait pour pouvoir voyager sereinement euh, des des, voilà, des passerelles qui relient euh, de branche en branche comme si c'était des routes en fin de compte euh, parce que euh, le clan le clan tôt euh, redoute les monstres qui sont au sol, donc ils préfèrent rester hors de portée. Voilà. Donc vous avez le choix, soit vous êtes au sol, soit vous êtes dans les passerelles. Euh, voilà. Vous avez un petit peu cette, euh, cet environnement euh, autour de vous. Mais, mais si on s'arrête pour récolter, on va perdre la trace. C'est ah, euh, tout bien, à fait n'a pas le choix. Non mais on ne va pas euh, s'arrêter pour récolter, on avance. Et oui, mais vu qu'il parlait, qu'on pouvait s'arrêter pour récupérer le miel et tout, là, si on s'arrête, on perd la trace. Quoi. Donc, Moi, c'est la continue. description. Hein. Donc, de toute façon, ce sera le dernier jet ce soir. On va faire euh, rapidement ce jet de voyage. Maintenant que vous avez compris comment ça marche, ce sera très rapide et on clôturera cette session. Donc, qui est éclaireur là-dessus Oh, quelle tristesse J'allais pouvoir refaire des sucres d'orge au miel, mais on n'a pas ouais. le temps. C'est ça. Oui, mais pense à Dupin. Oui, ben oui, je sais, mais... C'est toute mon enfance, les sucres au miel Je salive, là, Dupin, enfin. Pris, tu voulais dire un truc Non, 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 non non on y va. Alors, est-ce que vous voulez que je... Que dise nos prix, un de vous deux C'est ça, pour changer un peu. Très bien. Je vais bien réussir, cette fois. Ah ben, vas-y. En puissance, c'est ça, j'imagine en puissance, ouais. Très bien. Croyez-en moi. Oh, oh Deux réussites. Ah Un, ah, hein, hein deux et donc, deux, bien joué Ouais, donc tu voilà. progresses, donc euh, <laughs> il faut faire 20 à nouveau, donc vous progressez de 5. Euh, donc vous progressez et même, plutôt, hein, euh, plutôt bourrin. Hein. Est-ce que tu es sûr ou est-ce que tu veux que je te donne un élément euh, intéressant de cet endroit Intéressant. Euh... Techniquement j'ai fait 25% du truc. Euh... Yeah. Hey. Peut-être que quelqu'un devra utiliser. La bête. Après, c'est vrai qu'on peut apprendre des trucs intéressants, comme le fait de perdre 5 points de vie si on bourrine. Euh... Je vais essayer d'apprendre l'élément intéressant quand même. Très bien. Donc tu pro tu progresses de 5, ce qui est quand même très très bien. Et un, ce que, comme tu pars en éclaireur, ce que tu peux voir, c'est que c'est un terrain qui est assez traître, puisque les passerelles sont instables et euh, les voyageurs pressés risquent de perturber des insectes monstrueux sur le sol de la forêt. Tous les naturons subissent un désavantage pour toute traversée rapide. Voilà. C'est plutôt ah. une bonne info, je trouve. C'est une oui. plutôt bonne info, oui. oui. Ouais. Ça ressemble à une bonne info, effectivement. Et, et en plus, comme c'est réussi. Euh, sur du... ouais effectivement, sur du rapide ce sera du 6 ou rien par contre comme ton résultat de puissance est, un... est couronné de succès, euh, non seulement vous avancez de 5, mais toutes les personnes utiliseront... en utilisant la puissance auront un avantage euh, est-ce que je peux avancer derrière, du coup je voudrais avancer tout en tout puissance, fait. donc très tout bien, coup. fait ton de, de puissance euh... ouais, je vais y aller en puissance et pas en rapidité, du coup j'ai que 2 dés, mais avec l'avantage, oui. j'espère que ça va compenser. Et eh bien ça ne compense pas. Et ça ne compense absolument pas. Désolé. Ok, autres. suivant. Voilà. Est-ce que quelqu'un va déchaîner en la bête En puissance, par exemple, euh... Nadine. Vas-y Nadine, On a... non. Tu, tu veux que j'y aille ça ou tu veux y euh... aller en premier non. 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 On a le droit de la puissance vu que, ah, parce vu oui. que ça oui. a été Non, ça n'a pas été. Ah, ah, bonne question. Ça a été raté avant. Euh, je suis. Écoute, pour les besoins du, de l'actuel play, pour qu'on aille se coucher un peu plus tôt, exceptionnellement, <laughs> on, on va dire que la puissance, c'est OK pour le prochain jeu. <laughs> ok. Bon, bah, je vais essayer de pas penser au sucre d'or je qu'on rate là. Oui. Oui. C'est parti Et Ça passe, hein. Au moins une réussite, hein. heureusement, merci davantage. Euh, y aller en du normal, coup, du coup, donc tu ah, progresses ouais. de 4, vous êtes à 9. Il faut que Il je le tente en, un... en bête, quoi. Il faut un 11, euh, ah. Liane, en bête. Oh ah, putain. Alors on a vu ce que ça donnait à ah. la bête tout à l'heure, hein, mais bon, ouais, on... t'as une chance sur 2 sur, hein, sur un D1, 4, 5, 6. Euh... Non, parce que ah. je le ferai pas en puissance, moi. Ah, j'ai qu'un ah, as... oh. seul dé en puissance, donc je peux pas lancer la bête et le faire ouais. en puissance, quoi. C'est toi qui Te vois. Pour faire en précis. Ok. Ouais. Allez, dieu, bon, on va y croire. Écoutez. Tu crois pas. Lâche tu... la bête. On y croit, on y croit. 14. So, tu 14. vois, ah so, 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 t'aurais lancé en puissance. Euh... Bah, Alors, ça aurait a pas a été les mêmes dés. Voilà, tout simplement. <laughs> J'aurais pas eu de dés en puissance. Alors, qu'est-ce qui se passe Le péril... Euh, très bien, donc... Euh... Pas, 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 il reste Dommage. combien de parmes euh, bah, Un du coup, vu qu'on en avait récupéré un. Et on ouais, en repère. effectivement. Ouais. Euh, ouais. Donc vous avez fait 9 sur 11, hein, c'est ça euh, 9 sur 20 euh, Sur 20, pardon. Effectivement. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe Très bien. Ce qui se passe, euh, euh, c'est ce que... Euh... Vous avez évolué euh, en puissance très bien, mais beaucoup d'insectes, beaucoup de créatures vous ont ralenti. Vous avez subi énormément de piqûres d'insectes, euh, probablement des abeilles très très mécontentes qui étaient là, euh, qui euh, qui, euh, qui vous ont piqué de toutes parts, et ça vous coûte très cher euh, de progresser. L'avantage, le, le, le côté cool, c'est que à la prochaine séance, vous aurez retrouvé le cacouari Okay. Le euh, point euh, négatif, c'est que vous perdez euh, 13 points de vigueur. Pourquoi 13 Parce que ah, c'est ce, man... ce qui vous manque quand vous êtes. Euh... En fait, quand vous ratez un défi, vous prenez les dégâts du péril. Là, c'est 2. Le péril vous inflige 2 points de dégâts quoi qu'il arrive. Et comme vous avez raté le défi, vous prenez tout ce qui compense. En fait. Donc comme vous étiez qu'à 9 sur 20, vous prenez 11 plus 2, 13 vous perdez 13 points de vigueur. Et là, on va appliquer la deuxième règle. C'est-à-dire que quand vous êtes à 0, vous n'êtes pas mort. Vous passez... Ouais, bah t'es pas morte. T'es encore en pleine forme à 1. Voilà. Par contre, les personnes qui tombent à 0, comme par exemple PRI, qui est à 0, puisque tu es à 13 sur 20, tu tombes à 0. Tu n'es pas mort non plus. En fait, quand vous tombez à 0 points de vie, vous retournez à 20 PV. Par contre, tu prends l'état blessé 1, tu es blessé. Mécaniquement, ça ne change rien du tout pour toi. Tu pas de malus, tu rien du tout. Par contre, le fait d'être blessé, euh, ça peut euh, avoir une incidence sur le comportement des monstres. Peut-être, je dis ça comme ça, mais peut-être qu'un monstre a des capacités spéciales contre une cible blessée. Comme le cocaïne, par exemple, quoi. Tu ne sais pas, voilà. tu ne connais pas les capacités de Kako. Que... Euh, ah oui, notre chance. Il va se dire qu'une cible blessée est bien plus appétissante et qu'il va me focus, par exemple. Effectivement. Hmm. Euh, voilà. Donc, euh, vous oui. êtes. Euh... Et toi, tu étais à combien, Nadine Point de oui euh, Je pense que là, je, il me doit me rester 2 ou 3 PV. Je recalcule. Euh, 5, 6, 7, 8, 9 ça fait 20 2 pv enfin 2 de vigueur il reste très bien je te le mets hop de vigueur très bien ok alors petit événement parce que vous avez quand même franchi l'élément le bois le bois noueux enfin dans le verger mielleux et on n'a même pas de miel et vous n'avez pas de miel déception on va le faire en RP. Normalement, il y a un petit truc comme ça, mais on va le faire en RP parce qu'on on manque un petit peu de temps, mais ça me permet de vous montrer plein de trucs. Ce qui se passe, c'est que vous sortez du verger mielleux, vous allez arriver dans la prochaine zone, que je vous décrirai la prochaine fois. Mais avant d'arriver sur cette euh, prochaine zone, euh, vous allez arriver dans un endroit du bois où, étrangement, au niveau de la nature, ça fait une coupure nette. C'est-à-dire que quand vous, vous avancez, d'un coup, vous avez l'impression que toute la végétation... Sur une très grande euh, ligne, il n'y a plus aucune végétation, il n'y a rien qui pousse, ça fait comme une espèce de balafre dans la nature euh, très très long euh, à perte de vue. Vous avancez sur euh, cette, euh, ce morceau de terre en fait complètement dénudé et vous sentez le, le sol qui, qui tremble. Le sol tremble, de, de plus en plus, vous entendez un bruit assez étrange que vous ne connaissez pas. Et normalement, je devrais vous faire un G, mais vu l'état pitoyable dans lequel vous êtes, on va vous en faire euh, grâce. <laughs> Quand vous regardez un petit peu la provenance euh, de ce bruit, vous voyez ceci. Oh C'est ça oh. C'est pas un poulet Vous avez <laughs> un train à très très grande vitesse qui passe, vous avez à peine le temps de vous jeter sur les côtés ce train euh, qui l'évite, il n'y a pas de rail, il n'y a rien, il, il est hors sol. Il passe à une vitesse monstrueuse et il explose tout ce qui est sur son passage. Donc le passage est déjà fait, signe que euh, visiblement il doit déjà passer par là de temps en temps. Mais euh, effectivement, euh, c'est un événement qui tranche quand même complètement avec euh, ce, que, euh, ce que vous connaissez. Hein. Les trains existent. Celui-là en particulier, vous vous demandez si c'est pas de l'archassier quand même. Un train en archassier. C'est quand même oui. exceptionnel. Voilà. Ça, Et le train ouais. passe à une vitesse incroyable. Euh, L'aspiration, la, en fait, hein, le vent, alors que vous venez de vous jeter sur les côtés, vous êtes vraiment obligé de vous agripper sur le sol pour ne pas être happé. Euh, par ce passage de train, euh, un train qui fait pas tant de bruit que ça quand même. Hein. C'est pas une grosse machinerie euh, sur des rails etc. Mais vraiment le, le, le vent euh, fait que euh, ça fait un bruit strident très désagréable pour les oreilles. Ça dure quelques secondes, euh, vous êtes vraiment accroché et d'un coup le calme euh, revient. Il n'y a plus de train, le train est déjà passé. Ok. Voilà et la suite au prochain épisode. Merci YouTube, ciao tout le monde, et à la semaine prochaine Ciao ciao A